Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous qui nous rejoignez ce soir ici en direct de Mado Bonnet. Tout d'abord, bonsoir aux fidèles supporters des Lyonnes, bien sûr, LDLC Asvel féminin, qui ont l'habitude d'être présents dans ces tribunes. On vous précise que, bien sûr, vous nous manquez énormément et vous manquez au basket. Le basket sans vous, ce n'est absolument plus le même sport. Et puis, bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez de Montpellier, qui êtes supporters et supportrices des Gazelles, bien sûr, si notre cœur bat pour LDLC Asvel féminin. Sachez qu'avant tout, on aime le basket et qu'on saura, bien sûr, rester objectif avec Sylvain Lopi qui va m'accompagner au commentaire ce soir. Ouais. Bonsoir Sylvain. Ouais, salut Eric et bonjour à tous. Match au sommet ce soir. Ouais, je vois l'excitation, vous l'avez peut-être entendu dans la voix de Sylvain. C'est un vrai gros match de basket qui nous attend dans quelques minutes. Ouais, un match de haut de tableau, un match qu'on a l'habitude de voir maintenant sur des rencontres très très importantes. Hein. Les anciens champions, les championnes en titre sur l'année 2020 qui avaient rencontré pas moins de 7 fois l'équipe de Montpellier sur une saison terrible et qui avait fini par l'emporter sur le fil au cinquième match. On s'en rappelle tous, avec une ambiance exceptionnelle à Mado Bonnet. Il n'y a que ça qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est finalement ce manque de public pour faire quelque chose de fantastique. On vous le répète, on se le répète tous les jours, vous nous manquez énormément. On va essayer de vous faire vivre, bien sûr, cette rencontre de l'intérieur. Merci bien sûr au club, et là je dis au club au pluriel, qui mettent à disposition les ressources pour permettre à l'ensemble des supporters de suivre ces matchs sur LFB TV, bien sûr, sur le réseau YouTube de la Ligue féminine de basket. Un petit coup d'œil du côté des effectifs. On va commencer par cette formation de l'AT Montpellier, avec des noms qu'on connaît bien pour les avoir affrontés avec LDLC Asvel féminin par le passé, mais aussi parce que certains noms ont évolué au cœur de cette formation lyonnaise. Oui, bien sûr, sans la présenter aujourd'hui, hein, Julie, la première. Julie Allemand, qui est la meneuse de Montpellier, qui était ancienne joueuse de Lyon. Et après, elle est extrêmement bien entourée, une équipe avec vraiment des très 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 bonnes joueuses. Anna Dabovic, Marie-Michel Milapi, Anna-Maria Philippe, qui est ni plus ni moins l'intérieur du championne d'Europe de la compétition 3 contre 3. Et voilà, avec Bernice, bien sûr, qu'on ne présente plus non plus, Romane Bernice, joueuse emblématique de l'équipe de France. Voilà, Anna Dabovic, on vous le rappelle, bien sûr, la MVP de l'Euro 2015. Elle pèsera très certainement dans cette rencontre dans quelques minutes. Un petit coup d'œil sur l'effectif d'LDLC Asvel féminin, avec des absences, bien sûr, et notamment celle d'Alshia Clark, blessée. On pourra néanmoins compter du côté de Valérie Demory sur un groupe renforcé par des jeunes éléments. Oui, un groupe renforcé, un groupe qui vient de finir sa compétition Euroleague et qui est quand même, qui a fini sur une très très bonne note face à Sopron sur un deuxième match qu'elles ont remporté. Je crois qu'elles sont déterminées, qu'elles sont extrêmement motivées. Et puis on peut voir au bout du banc Mariam Badiam, hein, qui commence à revenir dans le groupe. Ça aussi, ça fait plaisir, ça ramène un petit peu de fraîcheur. On sent qu'elle est motivée, qu'elle veut apporter un petit peu son énergie à l'effectif. Pour l'instant, elle va le faire sur le banc. On ne désespère pas l'avoir d'ici la fin de la saison opérationnelle. Et puis Sylvain Lopi vous a parlé, bien sûr, de cette Euroleague Women et de la campagne hongroise du côté d'LDLC Asvel féminin. Restez bien avec nous à la mi-temps, parce qu'on vous proposera un résumé notamment de ces rencontres face à Sopron, avec plein de bonnes surprises pendant la mi-temps. Donc restez bien avec nous à l'occasion de cette mi-temps. Un petit coup d'œil du côté du classement de cette Ligue féminine de basket. Sylvain, ils sont compliqués à lire actuellement, ces classements, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, parce qu'il y a des journées en retard forcément, mais on commence à pouvoir y lire des choses. Oui, surtout si on regarde et si on se réfère au nombre de défaites, surtout, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on voit Lyon qui a que 5 défaites, donc il y a 2 défaites de moins que Montpellier, qui se retrouve pourtant au-dessus du classement, puisqu'elle se retrouve avec plus de points potentiellement, parce qu'elle a joué plus de matchs. Mais c'est pour vous dire l'importance de cette rencontre ce soir, c'est-à-dire revenir et mettre l'AT Montpellier, qui n'a pas très bien démarré sa saison, mais la mettre à une défaite de plus, c'est hyper important. Par contre, du côté de l'AT Montpellier, bien sûr, actuellement, et là je vais être vulgaire dans mes propos, on est pleine bourre, on est à fond. On est vraiment peut-être au sommet de ce qu'on peut faire, notamment avec leur récente victoire. Ouais. L'AT Montpellier qui a de gros espoirs, bien sûr, en venant ici du côté de Mado Bonnet. Elles viennent de jouer Bourges en Coupe de France, elles les ont battues sur un match vraiment avec une très très haute intensité. Toutes les filles ont répondu présentes. Même si elles avaient perdu un match à Tarbes un petit peu bizarrement, on se retrouve là vraiment avec Montpellier qui est en pleine dynamique, avec une vraie volonté de faire un coup ce soir. Avec du côté d'LDLC Asvel féminin, Sarah Chevaujon
qui pénètre sur le parquet à l'instant avec les joueuses de l'AT Montpellier qui n'ont pas quitté des yeux la présentation de l'équipe d'LDLC Asvel Féminin. Ouais. On sent une vraie vraie motivation de la part des deux équipes, les deux équipes qui se sont retrouvées en cercle de chaque côté du terrain. Un petit coup d'œil du côté du duel qu'on a choisi ce soir, Sylvain. Un duel important, un duel de puissance, un duel de mobilité à l'intérieur. Ah, ça c'est sûr qu'on va avoir là beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité physique. Hein. Nayo, qu'on ne présente plus pour les supporters de Lyon, une joueuse capable de mettre vraiment beaucoup d'énergie et d'implication physique. Et face à elle ce soir, c'est Misha Allen, qui est une joueuse capable de faire un travail de fou sur un terrain, capable de pénétrer, capable de prendre des rebonds, capable de défendre très très fort sur une joueuse. Mais elle est aussi capable de tirer à l'extérieur, elle est aussi capable de tirer à 3 points. C'est vraiment un danger de tous les instants. Alors ce qui est intéressant ce soir dans la rencontre qui vous est proposée, c'est qu'en fait le danger va pouvoir venir de tous les secteurs de jeu. Des duels, on aurait pu en identifier partout, que ce soit à la main, que ce soit sur les shoots extérieurs, que ce soit à l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que du côté de Montpellier, on sait que Julie Allemand, Romane Barniès vont être capables de mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse dans l'exécution du jeu. D'un autre côté, nous, on a du côté de Lyon, on a Marine Johannes qui peut faire la différence à tout moment. On a Alexandra Krevendakic qui est aussi une joueuse capable de poster à l'intérieur et de faire la différence. Et puis, que dire de Elena Siak et de Philippe qui se rencontrent 1m95, 1m98. On est très très haut avec beaucoup d'amplitude et tous les postes et tous les duels vont être extrêmement important dans cette rencontre. Avec deux formations, donc, comme on le disait il y a quelques minutes, Sylvain, qui ont des profils relativement différents avec cette formation de Montpellier qui sort de deux grosses victoires, cette formation d'LDLC Asvel Féminin qui sort d'une élimination en quart de finale de l'Euro League Women, mais qui néanmoins a peut-être refait un plein de confiance en battant Sopron à l'occasion de la seconde manche, une seconde manche pendant laquelle, on le rappelle, elles ont mené de plus de 20 points, elles auraient pu potentiellement créer la surprise. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, on va voir un petit peu comment se situe le mental hein, de ces deux équipes, notamment d'un point de vue collectif, parce que Lyon est passé un petit peu à côté de son premier match, hein, disons-le, face à Sopron, avec une défaite amère, avec surtout dans les attitudes quelque chose de compliqué, pas vraiment dans les rythmes, pas vraiment dans le collectif, pas vraiment dans les valeurs du club. Et derrière, une deuxième manche vendredi exceptionnelle face à une grosse, grosse équipe de Sopron, et sur laquelle on était content de voir cette équipe réagir et de mettre toute l'énergie et tout le collectif qu'il fallait pour remporter cette victoire. Allez, Valérie Demory qui est en train de donner ses dernières consignes à son 5 de départ. Là, Sylvain, il va falloir prendre quelques risques qui, dans le roster, côté LDLC Asvel féminin. Allez, je pense que déjà, sans trop de surprises, sans doute, Marine Johannes, Alexandra Krevendakic sur les ailes. Est-ce qu'on va démarrer avec Elena Siak et Nayo Renkok, ou est-ce qu'on va plutôt préserver Elena pour la faire rentrer tout de suite? Ça, c'est un choix tactique du coach. Donc on va se retrouver avec Nayo, soit avec Michel, soit avec Elena tout de suite. Et à la main, on sait que Valérie aime bien jouer sur l'alternance, mobiliser l'énergie d'Ingrid tout de suite, ou alors essayer de mettre Marine tout de suite dans le tempo du match. Mais Marine Fautoux qui était très bien rentrée d'ailleurs dans le deuxième match et la deuxième opposition face à Sopron. Ouais, elle avait été très très bien. Du coup, comme elle est bien en confiance, je pense que ce serait intéressant de voir plutôt Ingrid tout de suite sur le terrain, de manière à dire, voilà, Marine, t'as fait un bon match la dernière fois, maintenant je sais que je peux compter sur toi, mais j'ai besoin aussi de relancer Ingrid. Ingrid aussi a besoin de confiance, c'est la capitaine de l'équipe. Ingrid, elle connaît par cœur Julie, ce serait malin de l'avoir joué sur tout de suite pour pouvoir venir poser quelques problèmes à son ancienne coéquipière qu'elle a eu en confrontation à l'entraînement toute la saison dernière. Alors Heinz du côté de cette formation de Montpellier, tout comme Collier que vous découvrez de dos, Nafisa Collier, Mamignan Touré, Mir Touré sera également présente dans ce 5 de départ. Misha Heinz, je vous le disais il y a quelques minutes, par Michel Milapi également, Julie Allemand à la main. Côté LDLC Asvel féminin, Elena Siak, Michel Plouf, voilà le duo qui a été choisi, Alexandra Krevendakic avec Marine Johannes et Ingrid Tancré à la main, préféré à Marine Fautoux en ce début de match. Le premier ballon, il est pour les Gazelles, le BLM1, balle en main avec Julie Allemand face à Ingrid Tancré. Forcément, les deux joueuses se connaissent très bien. Heinz pour son premier ballon, je vous rappelle que c'est le duel choisi avec Nayo Renkok. Il faudra attendre quelques minutes pour les voir en duel. Elena Siak monter très très haut, très rapidement sur Julie Allemand. Et Elena Siak, elle a tout de suite
mis en difficulté le jeu en défendant très très haut. Ouais, du coup, bon choix tactique de la part de Valérie Demory de rentrer avec ce duo d'intérieur. C'est vrai qu'on s'attendait à voir Nayo tout de suite. Peut-être que c'est intéressant parce qu'elle fait souvent des fautes sur les débuts des rencontres. C'est peut-être un moyen de la protéger. Avec Michel Plouf, très bien joué avec Reven Dakic là-bas. C'est un système de jeu qu'on voit souvent à l'entraînement entre les deux joueuses. Reven Dakic, côté opposé pour les deux premiers points de cette rencontre en faveur d'LDLC Asvel féminin. 2-0. Julie Allemand qui ne devrait pas se faire prendre deux fois à la montée d'Elena Siak. Julie Allemand qui a pris sa chance, le premier tir sur la tête d'Elena Siak. C'est manqué côté BLMA. Attention au contre rapide mené par Alexandra Krevenakic. Bon repli défensif du côté des Gazelles. Oui, tout à fait. Et puis là, on voit, c'est Lyon pour l'instant qui essaye de bien conserver le tempo du match avec cette fois-ci un jeu à deux qui a été mis en place entre Elena et Ingrid qui l'a trouvé sur la hauteur. Ingrid qui a été confrontée au mur, il aurait pu avoir un coup de sifflet. Mais c'était défendu propre, côté de Marie-Michel Milapi. Elle est arrivée en avance, elle a pris position, en tout cas c'est ce qu'a jugé le trio arbitral, et elle a contré Elena Siak. Elena Siak qui était en train de retomber, qui a eu du mal à produire son effort sur cette action. La balle reste FDLC Asvel féminin, mais pas pour longtemps. C'est une très très bonne défense de la part de Montpellier qui a changé sur tous les écrans et du coup qui a rendu cette remise en jeu compliquée. On a hésité à faire la première passe et du coup, comme les joueuses ont changé dans tous les sens, on n'a plus trouvé de joueur démarqué côté lyonnais et on n'a que 5 secondes pour faire la remise en jeu. Alors, et du coup, la balle a été rendue à Montpellier. On sait que les défenses sont essentielles dans un match de basket de ce niveau. Une victoire passe souvent par une grosse défense. Et bien, on peut vous dire que d'un côté comme de l'autre, les péages d'autoroute sont fermés. D'un côté comme de l'autre, on l'a vu à l'image de Julie Allemand tout à l'heure qui a été obligée de shooter d'une manière un peu compliquée. Et là, on le voit, on est obligé de prendre des risques côté BLMA. Et on l'a vu aussi côté LDLC Asvel féminin avec cette remise qui n'a pas pu être effectuée. Ouais, beaucoup d'intensité. Hein. C'est un match de très haut niveau qu'on va voir ce soir avec des défenses. On veut laisser aucun centimètre et aucune facilité aux joueuses pour se démarquer. Là, c'est tout de suite un coup de sifflet à nouveau. Elle est intelligente, la faute de Collier au départ de Reven Dakic. Elle avait été prise par l'explosivité de Reven Dakic. Il valait bien sûr mieux faire faute à ce moment du démarrage plutôt que risquer et de lancer front intérieur. Marine Johannes, le transfert sur Ingrid Tancré. Ingrid Tancré, on connaît son adresse. Et bien, c'est manqué pour Ingrid Tancré. Et l'occasion pour le BLMA de revenir au score pour le moment mené 2-0. Ouais, alors qu'on voit là pour l'instant les deux équipes qui essayent de trouver des solutions par le tir extérieur. 2, 3, 4, 5 tirs extérieurs pour l'instant, 5 tirs à 3 points, et toutes les situations ont été soldées par des échecs. Ça ne va pas durer comme ça sur tout le long du match. Marine qui a refusé le tir. Et oui, parce que dedans, c'est bien verrouillé d'un côté comme de l'autre, le pied à l'extérieur. Pour Michel Plouf, dedans c'est bien verrouillé d'un côté comme de l'autre, on a peu de solutions pour les meneuses. Ça coupe bien comme il le faut, donc c'est compliqué d'un côté comme de l'autre, toujours 2-0. On joue depuis plus de 2 minutes dans ce match. 2-0, ça montre l'importance de la rencontre pour toutes les joueuses qui essayent d'abord de se concentrer sur ce qu'on demande et ce que les coachs ont demandé sur les situations défensives. Regardez comme c'est défendu très fort, toutes les prises de position sont dures. Elena, avantage aux défenses. Un gros travail. Ouais, avantage aux défenses dans ce match. Elena Siak sur touré sur cette action. Une nouvelle fois avantage aux défenses. On ne trouve pas les clés d'un côté comme de l'autre. Michel Plouf peut-être avec Elena Siak. La faute. C'est bien. La faute commise tôt aussi, là également. De la même manière, de toute façon, il fallait la commettre parce qu'une fois qu'Elena Siak est en place là-bas, poste bas, c'est compliqué. Oui, et puis là, du coup, c'est montré aussi, il n'y a pas de prise de position facile, on va se battre jusqu'au bout. Ça use les organismes, c'est très difficile. Ça fait 2 minutes et 40 secondes qu'on joue et pour l'instant, 2-0 toujours. C'est vous dire comme c'est verrouillé. Avec Michel Plouf, tête touché. De raquette, il était compliqué ce shoot et en plus il est contré. Tout à fait, ce qui permet à Montpellier de jouer sur un jeu de transition, trouver peut-être un tir un peu facile. Et voilà, Montpellier qui se retrouve dans la vitesse avec le jeu rapide, un jeu en transition, les défenses sont pas tout à fait en place. Derrière, c'est ce que essaye de faire au niveau Alexandra, mais qui perd le ballon et qui donne une opportunité à Montpellier de toujours enchaîner sur ce jeu en transition et qui conserve la balle. Bonne leçon pour les plus jeunes, bien sûr, pour contrer une défense bien en place. Rien de tel que le jeu rapide, si on est capable, bien sûr, de le produire. En tout cas, ça a permis au BLMA de revenir à égalité de points de partout. Là aussi, c'est verrouillé, mais on déverrouille à l'extérieur. Sylvain avec de l'adresse. Oui, un tir à 3 points pris dans le bon tempo. Et même si Michel est sorti assez fort sur la joueuse, elle a fait mouche, elle a marqué son premier tir à 3 points, ce qui va sans doute un petit peu libérer les bras du côté de Montpellier.
avec Elena Siak qui est en difficulté dessous là-bas. Pourtant, elle avait été trouvée sur une situation de jeu qui peut lui plaire. Elena Siak, Julie Allemand. Oh là 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 là, Julie Allemand. Oh là 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 là, ce qu'elle vient de faire, du talent pur. Du talent pur, c'était 1 contre 5. Et Julie Allemand qui permet au BLMA de prendre 5 longueurs d'avance. On aimait la voir comme ça quand elle était du côté de Lyon, incapable avec beaucoup d'explosivité d'aller finir sous le cercle. Et là, c'est pour Montpellier qu'elle le fait et elle le réalise vraiment à la perfection. Michel Plouffe qui ne trouve pas de coéquipière, qui ne trouve pas de passe. Le transfert sur Alexandra Krevendakic, c'est compliqué. Oh là 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 là. Là aussi, il y a du talent pur parce que je peux vous dire que défensivement, tout le monde faisait le boulot du côté de Montpellier. Elle s'est créée son tir toute seule, elle est capable de prendre des appuis, poser ses appuis derrière la ligne des 3 points, monter tout en explosivité. Alors que là, c'est Montpellier, le rebond a bien été verrouillé par Michel. Le rebond, ça va être aussi un élément important. S'il y a beaucoup de tirs laissés à l'extérieur. Attention, parce que pour moi, celle-ci, elle est pour Collier, manifestement. Et c'est la deuxième. Hein. Ouais. Attention, c'est la deuxième pour Collier. Ça va réagir du côté du banc, mais pas forcément. Si, ça y est, ça se lève. Oui, voilà, bien sûr. Ça s'est levé pour Thibaut Petit. Collier va quitter le parquet. Oui, Anna Dabovic hein, qui est rentrée. Attention à cette joueuse. C'est une joueuse exceptionnelle, mais elle est capable de faire la différence aussi sur des roublardises hein, sur le terrain. On la connaît très bien. Moi, j'adore ce tempérament, j'adore toutes les qualités qu'elle a. C'est vraiment une joueuse exceptionnelle. Mais on la connaît, elle a aussi une influence notable sur le jeu, sur les arbitres. C'est un vrai atout. Elle est capable de peser sur le jeu. Et contrairement à certaines joueuses ou certains joueurs décisifs, des clutch players, eh bien, elle peut encore peser durant les 3 dernières minutes. C'est-à-dire qu'elle peut peser sur le jeu complètement. Et physiquement, elle peut être là encore sur ces 3 dernières minutes et l'intensité sur les 3 dernières minutes. Dabovic, une carte maîtresse bien sûr pour cette formation de l'AT Montpellier. Attention, parce que là-haut du côté de l'AT, eh bien, au niveau du tableau, les fautes commencent à s'accumuler. Oui. Ça défend, on en parlait, hein. Il y a de l'intensité défensive. Ça tu la payes, Sylvain, forcément au niveau des fautes. Oui, tout à fait. Ben là, c'est Bilapi qui prend la deuxième faute. Et du coup, en fait, Montpellier se retrouve avec 4 fautes. Mais c'est un problème pour le coach, c'est que les deux joueuses ont 2 fautes. Et du coup, il va falloir qu'il leur donne un peu d'air et un peu de solution. Et là, la même sanction que sur la possession du début de rencontre. On n'a pas de solution côté LDLC Asvel féminin parce que défensivement, on est là. Côté BLMA, on coupe toutes les lignes de passe. C'est le deuxième ballon rendu au BLMA côté LDLC Asvel féminin sur les remises. Deux ballons de gagner grâce à des bonnes rotations défensives et des démarquages têtes qui ne sont pas assez rapides côté LDLC Asvel féminin. Julien Dabovic, elle est bien placée là. Elle était sur ses appuis, elle était bien placée. Et là, il y a sanction tout de suite en faveur du BLMA. 10-5 plus 5. Une action d'école. Action d'école. Ce ballon ressorti très proprement. Dabovic, elle l'attendait depuis une demi-heure. Ce ballon, elle était très très bien placée. Voilà. 2 points supplémentaires pour le BLMA. 10-5. Ingrid Tancré qui se défait du marquage. C'est compliqué. Ça fait 2 fois que c'est compliqué. Ça fait 2 fois qu'on dit que c'est compliqué, Sylvain. Et ça fait 2 fois qu'Alexandra Krevendakic s'en sort très 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 bien. Mais sur le talent. Hein. Sur le talent pur, parce que ce tir-là, c'était vraiment quelque chose de techniquement très difficile à faire. Elle s'est retournée, repositionnée en l'air face au cercle. Elle a été capable d'ajuster et de mettre ses 2 points. C'est vraiment très 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 bien joué. Les rotations commencent côté LDLC féminin avec l'entrée de Marine Fautoux qui remplace Ingrid Tancré. Là aussi, il y a de l'intensité. L'entrée de Nayoren Koch également qui est entrée sur le parquet côté LDLC Asvel féminin et Alexandra Krevendakic qui sert idéalement Michel Plouffe. Oh, Michel Plouffe trop courte sur son shoot. Presque trop toute seule. Ça veut dire qu'on ne lui a pas fait forcer sur le montage du coude. Et du coup, elle était un peu courte sur son tir. Avec Dabovic, une nouvelle belle défense d'Elena Siak. Là, il y a eu de l'intensité défensivement. On l'a vu. Il y a des coudes qui sont sortis un peu. Mais au niveau du trio arbitral, on est dans l'esprit du jeu. Ça joue de manière un peu rugueuse. On laisse jouer avant tout du basket. Même si c'est un peu rugueux. C'est sûr que là, c'était. Oui, on a vu clairement Philippe, qui, quand elle s'est démarquée clairement à l'aide de son bras gauche sur Alexandra Krevendakic. Elle a failli la mettre au sol, mais c'est la dureté. Pour l'instant, on veut que le jeu soit comme ça, alors que la Marine vient de rater son premier tir à 3 points. Derrière, ça donne... Oh là là, c'est magnifique.
C'était superbe ce que vient faire Julie Allemand, la passe en aveugle, à un millimètre. Hein. C'est passé dans la défense d'LDLC Asvel féminin, 12-7 au compteur. Peu de points marqués, tous les points sont compliqués pour chacune des deux formations. Marine Faux, ouais. Balle en main, le transfert. Michel Plouffe, c'est ouvert totalement. C'est toujours pas dedans pour une Michel Plouffe qui est en manque de réussite. Encore Alexandra qui fait vraiment un bon premier carton, hein, qui est présente sur à la fois en défense, on l'a vu, c'est elle qui a pris le coup tout à l'heure, c'est elle qui sauve un peu l'équipe sur des situations et des exploits individuels, et là c'est elle qui est encore au rebond offensif et qui va provoquer une faute pour avoir deux lancers francs. Allez, côté LDLC Asvel féminin, et bien Alexandra Krevendakic pour son premier lancer. On le rappelle, on est dans la pénalité côté BLMA. Seulement une faute au compteur d'LDLC Asvel féminin. On va pouvoir, côté lyonnaise, monter encore en intensité défensive. Côté BLMA, attention à ces fautes commises très tôt dans cette rencontre qui peuvent potentiellement peser avec cette intensité. 2 sur 2, ouais. Krevendakic pour LDLC Asvel féminin permet à l'équipe de survivre dans ce match. Hein. Ouais, avec Krevendakic qui est déjà à 9 points sur 9. Hein, donc du coup, c'est assez facile à calculer. Pour l'instant, il y a Kel qui tient la baraque au niveau du scoring et qui est capable en plus de défendre. On voit des bonnes rotations là, du côté lyonnais. Un tir pris dans un mauvais rythme de la part d'Abovic. Oui, mais un tir, c'est toujours gagnant. Hein. Quand il est capable de t'offrir des deuxièmes chances comme ça, aussi propre que ça, eh bien, le tir tout de suite devient gagnant. Ouais, il va falloir que Lyon fasse un peu plus d'efforts là, sur de concentration, notamment sur les situations de rebond et sur les situations de jeu de transition, parce que c'est là-dessus que Montpellier fait mal pour dans ce premier carton. Aussi, ça va au bout côté Marine Johannes. C'était encore Showtime. Marine Johannes. Qui a réalisé ce type de mouvement, notamment à l'occasion des derniers matchs d'Euroleague du côté de Sopron, qui avait ébloui la salle, qui avait allumé la salle elle toute seule. Et bien là, ce n'est pas plein de succès et ça rend la balle au BLMA. 14-9, un BLMA qui, dans la dureté, eh bien, tient ce début de rencontre ici à Madogoné. Hein. Ouais, on voit de toute façon qu'elle ne laisse rien au hasard. Tous les déplacements sont assez bien millimétrés de la part de Montpellier, et avec l'intensité qui est nécessaire hein, sur ce genre de rencontre. On va voir Philippe là qui va être capable de donner un tir à 3 points. On a hésité, dommage, l'extra passe. Ouais. La petite extra passe qui manquait, parce que là-bas, tout au fond, eh bien, on attendait que ça. Les mains en avant, malheureusement, côté BLMA, Marine Johannes, le transfert. Michel Plouffe, ça va rentrer côté Michel Plouffe. Toujours pas. Toujours pas Nayo, avec Nayo Hancock qui offre une deuxième chance à LDLC Asvel féminin. Un système à mettre en place maintenant. Marine qui va jouer sur un pick and roll avec. Marine Fautou à 3 points, elle était à droite, voilà, super, elle était à droite à Sopron déjà. Là, c'est bien qu'elle se mette en confiance sur un premier tir à 3 points, super. Et ça permet Fautou à cet endroit-là, normalement, c'est ticket gagnant. Hein. Ouais, ça y est, c'est bon. On peut dire qu'elle a gagné beaucoup en fiabilité sur ses tirs, et c'est bien. Anna Dabovic qui essaye de lui répondre. Deux fois un peu courte hein, pour Dabovic. Ouais. Deux fois un petit peu courte. Ça marque un petit peu peut-être d'engagement sur le shoot, comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, Sylvain. Exactement. Mais elle est extrêmement sollicitée aussi, Dabovic. Hein. Tous les ballons pas. Alors là, au niveau du coup de sifflet, c'était compliqué sur cette action. C'est vrai que la faute est contre LDLC Asvel féminin. Mais il y a eu vrai gros contact hein, avec Nayo Hancock qui a baissé la tête. À un moment sur ce coup-là, il y a des contacts, les coups de sifflet finalement, ils pourraient être d'un côté comme de l'autre. Ouais, là, c'est très... Il y a de l'intensité de chaque côté. Hein. Voilà, il y a des vrais duels. Sur une situation comme ça, on a l'impression effectivement que Nayo Hancock est bien placée sur ses appuis. Néanmoins, elle se retrouve avec un gros engagement physique. Peut-être qu'elle a bougé. En tout cas, c'est ce qu'a vu l'arbitre et du coup, il a préféré mettre la faute du côté de Nayo Hancock. Et puis c'est bien que ça rééquilibre les fautes parce que les deux équipes étaient dans l'intensité pour le moment. Seul le BLMA était dans la pénalité. Il n'y avait qu'une faute côté LDLC Asvel féminin. Ça rééquilibre un petit peu les débats. Sarah Chevaujon qui est entrée sur le parquet. Ouais. Ça circule côté BLMA. Un rebond pour Julien. Ouais, on peut pas appuyer attention là derrière parce qu'on se retrouve avec des rotations qui sont pas en notre faveur. Et Anna Dabovic qui marque 2 points. Elle était en échec sur ses deux derniers tirs à 3 points. Elle est venue se rassurer un petit peu plus près du cercle. Elle est très bien placée, mais il faut aussi avoir le coup d'œil de Julie Allemand pour être capable de délivrer cette passe au millimètre. 2 points supplémentaires, plus 4. Sarah Chevaujon à 3 points. Et ça rate le coche. Le pourcentage côté LDLC Asvel féminin doit pas être au top. On va voir les stats dans quelques minutes pour vous annoncer tout ça. Alexandra Krevendakic qui marque peut-être aussi un petit peu le coup physiquement de son côté. Oui, parce qu'elle n'est pas sortie de la mi-temps hein, et elle a beaucoup donné sur le début du match, on l'a dit.
Et là, du coup, Elle est en retard, Alexandra Krevendakic. Elle est sanctionnée, mais elle était en retard dès le début de l'action. Je vous le disais, Alexandra Krevendakic marque un petit peu le pas face à Dabovic. Dabovic, elle a compris ça, bien sûr. Elle a été contournée la défense lyonnaise. Et Alexandra Krevendakic est derrière elle, forcément, faute à l'avantage du BLM. Elle est sanctionnée, même si elle râle un peu. Moi, je pense qu'effectivement, il y a faute et qu'elle est en retard et qu'elle court après Anna Dabovic qui rate son lancer franc. C'est un moindre mal. Ça permet à LDLC Asvel Féminin d'avoir la dernière action de ce premier quart-temps. Les 20 dernières secondes. 15 secondes encore à jouer. C'est Marine Photo qui va jouer. Marine Photo qui se passe ça. Julie Allemand, grâce à l'écran là, d'Elena Siak, Nayora Hancock va devoir faire le job peut-être. Marine Photo. Ouais, c'est bien défendu de la part de Montpellier. Oh, qui trouve une passe magnifique. Oh, c'est dommage, Sarah. Dommage sur cette main gauche parce que Marine Photo avait trouvé une passe magnifique sur un démarquage que Sarah avait fait là en contournant son défenseur en curlant pour aller chercher un panier plus facile sur sa main gauche. Malheureusement, il lui a manqué quelques centimètres pour pouvoir marquer. Si je ne connaissais pas l'âge de Marine Photo, je disais que j'aurais dit que c'est une passe d'expérience pratiquement au buzzer pour Sarah Chevaujon, pour Marine Photo. 18-12 en faveur d'un BLMA qui est parfaitement rentré dans ce match et qui a pris l'avantage dans ce match. Elle a une petite surprise, alors peut-être plus à l'attention bien sûr des fans de LDLC Asvel féminin, mais si vous êtes supportrice ou supporter montpelliérain, bien sûr ce maillot peut aussi vous être destiné parce que vous êtes des fans de basket et c'est notre partenaire Razelbeck qui vous l'offre ce maillot. N'hésitez pas à passer faire un tour sur la page Facebook, laissez un commentaire et demain bien sûr il y aura un tirage au sort parmi toutes celles et tous ceux qui auront laissé un commentaire sur la page Facebook du club LDLC Asvel féminin. C'est peut-être même Kinga qui vous l'apportera. Kinga, attention, il y aura peut-être un petit voyage à aller faire à Montpellier. En tout cas, n'hésitez pas, amis montpelliérains de Montpellier. Ce maillot, il est bien sûr dédicacé par l'ensemble de l'équipe. C'est toujours un beau souvenir pour l'une ou l'un d'entre vous. Donc n'hésitez pas à participer. La page Facebook d'LDLC Asvel féminin, un commentaire. Et demain, le tirage au sort grâce à notre partenaire Razelbeck qu'on retrouvera à la mi-temps. Partenaire fidèle pour Razelbeck depuis 6 ans. Avec le club, merci à Kinga qui fait le show pour vous, comme les Soda Crew. Ce sont des éléments qui sont présents ici dans la salle alors qu'il n'y a pas de public. Le show, il est pour vous qui nous suivez bien sûr sur les réseaux. On revient sur ce premier carton, Sylvain. Un carton à l'avantage, on le disait, d'un BLMA qui a su mettre de l'intensité. Oui, ouais, qui a su faire la différence sur 2-3 situations de transition sur lesquelles elles ont trouvé de bonnes passes, hein, notamment par Julie Allemand qui en est déjà à 4 passes décisives sur ce premier carton. 18-12, c'est un petit score, mais ce qu'il faut noter du côté de Lyon, c'est que 9 points sont marqués par une seule et même joueuse, Alexandra Krevendakic. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un manque de points, notamment des autres joueuses. Elena qui, pour l'instant, n'a pas encore marqué. Je suis sûr que ça va être le différent sur ce deuxième carton. Effectivement, c'est suffisamment rare pour être souligné l'absence de points d'Elena Siak. C'est dire eh bien, l'intensité intérieure qu'ont mise les gazelles dans cette rencontre. Oh là là, Julie Allemand, comme c'est propre. Ouais. Comme c'est propre, ce slalom dans la défense d'LDLC Asvel féminin. Le petit flotteur qui va bien, le toucher de balle aussi pour le faire. Julie Allemand qui permet eh bien, au BLMA de prendre 8 longueurs d'avance. Et une nouvelle fois, c'est Alexandra Krevendakic qui va au charbon et qui va chercher une faute sur cette action. 20-12 l'écart est là hein, en faveur des joueuses du BLMA. Et comme on se rend compte que ça va être un match plutôt, plutôt serré avec peu de points au final sur l'ensemble de la rencontre hein, parce que c'est 12-18 au premier quart-temps, ça laisse présager d'un petit score. Attention, les premiers écarts de 6-8 points peuvent faire mal à la fin. Effectivement, avec les stats, 30% de réussite, 33% pour LDLC Asvel féminin à 3 points, un peu moins de 30 pour cette formation du BLMA. Au niveau du scoring, bien sûr, vous l'aurez compris, Alexandra Krevendakic porte pour le moment sur ses épaules les Lyonnes, une marque distribuée côté BLMA. 22-13, on n'est pas loin de la barre psychologique des 10 points, Sylvain. Ouais, attention, il faudrait être capable de proposer un petit peu plus de choix sur les situations offensives hein, parce que
Oula, oula, la faute là-bas, alors que Nayor Hancock est en l'air. Discussion peut-être sur qui commet la première faute entre les deux joueuses. La faute, elle sera en faveur d'LDLC Asvel féminin. Comme on disait, c'est compliqué. Le coup de sifflet, c'est vrai que Nayor Hancock est en l'air, mais est-ce qu'il n'y avait pas une faute peut-être au départ de Nayo? C'est compliqué. Ouais. On essaye d'équilibrer un petit peu tout ça du côté du trio arbitral qui pour le moment tient très bien cette rencontre. Ouais, très bien arbitré pour l'instant. Après, c'est sûr qu'on voit une équipe aussi de Montpellier qui met vraiment beaucoup d'intensité défensive. Alors elles ont plus de fautes que Lyon pour le moment, mais elles contestent tous les déplacements, elles sont beaucoup plus présentes, elles empêchent les joueuses de progresser. C'est sans doute un choix tactique de la part du coach, de durcir le jeu, quitte à avoir un petit peu plus de fautes que l'équipe de Lyon. Repli défensif côté LDLC Asvel féminin, la faute de Sarah Chevaujon, bien sûr, parce que Sarah se sentait en difficulté sous le cercle. Côté LDLC Asvel féminin, souligné qu'Elena Siak n'a toujours pas scoré, malheureusement pour Elena. Elena en difficulté sur l'action précédente. On le rappelle, hein, Elena qui a été absente des parquets pendant quelques semaines, de nombreux jours en tout cas. Ça suffit aussi parfois un peu pour perdre le rythme, surtout à ce niveau de compétition, Sylvain, avec un gros match comme celui auquel on est en train d'assister. Dabovic allemand, c'est très bien joué entre les deux joueuses. Cette balle qui ressort, superbe ce que viennent de proposer les gazelles sur cette action. Très très bien joué de la part de Montpellier qui alterne parfaitement la balle à l'intérieur et la balle à l'extérieur. Ça oblige Lyon à changer dans tous les sens, à se retrouver avec Nayo obligé de revenir sur le joueur intérieur, et ça laisse 2 mètres et demi à la joueuse pour marquer à 3 points. Avec Marine Fautoux qui ressort, attention à cette passe un peu basse pour Sarah Chevaujon. Marine Fautoux qui essaye de faire le job à 3 points, c'est compliqué. Oh, Elena Siak en difficulté une nouvelle fois pour le rebond. Tout est compliqué, hein, côté LDLC Asvel féminin, et c'est très fluide côté BLMA, que ce soit autant au niveau de la main que l'organisation du jeu. Je pense que quand tu as comme chef d'orchestre une joueuse comme Julie Allemand et une joueuse comme Dabovic, et l'intelligence de jeu de Dabovic, ça rend forcément tout de suite pour les équipes adverses les choses compliquées. Ouais, et puis je pense que pour l'instant c'est surtout sur le choix défensif du coach, parce qu'on parle d'Elena qui n'a pas marqué de panier pour le moment, mais elle n'a pas eu de ballon non plus pour pouvoir faire la différence. Donc c'est compliqué, puis derrière c'est Julie qui se régale et qui distribue caviar sur caviar pour Philippe. Le caviar et la barre des 10 points, elle est passée bien sûr. Attention, plus 14 en faveur du BLMA. Si on veut voir jusqu'au bout une rencontre à suspense, il faut une réaction d'LDLC Asvel féminin, parce que sinon le BLMA pourrait passer une après-midi tranquille ici du côté de Mado Bonnet. Alors de toute façon, il n'y a pas le choix. Ce sera soit une réaction d'LDLC Asvel féminin pour essayer de faire exploser la défense du BLMA, ou sinon, attention, il y a grand danger pour les filles de Valérie Demoré. Attention, parce qu'en plus, on connaît cette équipe de Lyon et on sait que malheureusement, des fois, quand elle a la tête sous l'eau, elle n'est pas capable de réagir. Je pense que l'équipe de Montpellier et tout le staff a beaucoup travaillé, notamment sur les rencontres en vidéo, en disant tiens, si on est capable de tout de suite couper les passes, si on est capable de rendre le jeu compliqué, cette équipe de Lyon aujourd'hui sans Alisha, elle a peut-être quand même encore des difficultés à trouver d'autres automatismes. C'est ce qui se passe sur ce début de rencontre. Montpellier fait un match parfait d'abord en défense, et derrière ça leur donne l'opportunité de jouer avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de facilité, et se lâcher complètement en attaque. Et notamment Julie, 5 passes décisives sur ce début de match. Alterner le jeu intérieur et le jeu extérieur, ça libère les shooteuses, ça libère les bras. C'est l'équipe clairement qui a pris le dessus pour l'instant, c'est Montpellier. Mais on l'a vu du côté de Montpellier, on a parfaitement construit ce début de rencontre en commençant par bien défendre et puis ensuite en se portant à l'offensive. Jeu de transition, mais pas que, du jeu placé également, ce ballon. Ouais. Tout de suite récupéré par le BLMA. Ce ballon, il est à l'image bien sûr de ce début de rencontre des joueuses lyonnaises qui vont absolument avoir à se remettre dans le match, parce que sinon on pourrait très vite assister à la même rencontre que le match aller face à Sopron. Julie Allemand en pleine confiance, c'est trop long du côté du shoot. Côté LDLC Asvel féminin, on avait sombré à l'occasion du premier match face à Sopron. Il faut absolument réagir dès maintenant. Il va falloir des joueuses fortes. Voilà. Elena Siak, le transfert pour Nayor Hancock. C'est contré
côté BLMA. Il va falloir s'appuyer sur les cadres, s'appuyer sur les Nasiak, notamment Nayon Reincock, pour faire le job. Sarah Chevaujon, on le sait, hein, a l'expérience aussi de ce type de rencontre pour amener l'équipe. Bien sûr, elle est capable de tout à fait apporter un peu de sérénité, notamment d'un point de vue offensif. Là, c'est Marine qui ressort un très beau ballon pour Marine qui tire. Elle mordait la ligne. Hein, donc, deux points seulement pour Marine Fautou. Allez, il faut faire un stop défensif. C'est ce qui est compliqué parce que vraiment Montpellier est en train de faire une bonne rencontre. Nayo Hancock qui n'est pas forcément OK avec la décision arbitrale. Mais c'est vrai qu'elle était toute seule à récupérer la balle. Quand on est tout d'un coup comme ça, toute seule à récupérer la balle et que son adversaire direct est à 3 mètres, c'est qu'il s'est passé quelque chose. En tout cas, côté trio arbitral, on a jugé que Nayo Hancock l'avait fait de manière irrégulière le retour de Michel Plouffe. On jette un œil bien sûr au niveau des fautes. Ça sera important pour la fin de match. Nayo Hancock, c'est deux fautes. Elena Siak, elle avait pratiquement au bout des doigts Elena Siak cette balle. Oh la Dabovic, superbe. Quelle bonne passe, bien joué. Alors vraiment, il faut profiter des moments où elle rate ce genre de tir, Anna Dabovic, parce qu'on lui en remettra pas en fin de rencontre. Si elle l'a, je peux vous garantir qu'il sera au fond. Et maintenant, ça permet finalement de se retrouver avec une balle pour essayer de revenir. C'est bien, voilà, c'est ça. On cherche, hein. Je pense que la consigne, c'était ça, chercher Elena sur le secteur intérieur. La passe est compliquée. Elle a fait l'effort d'aller la chercher assez haut et elle a attendu que le défenseur redescende pour pouvoir aller chercher un petit tir facile sur sa main gauche. Se rassurer côté LDL Asvel féminin sur des fondamentaux. Elena Siak en fait partie. Côté BLMA, pourquoi ne pas tenter de tuer le match dès maintenant et s'éviter un retour d'LDL Asvel féminin. Si les gazelles veulent en profiter, c'est maintenant que ça se passe. Si elles n'arrivent pas à tuer le match maintenant, elles prennent le risque éventuellement de voir un retour. Oui, et puis après derrière, 10 points pour une équipe de Lyon avec autant de talent. On voit que Marine Johannes pour l'instant a pris un seul tir, on sait qu'elle peut s'enflammer à tout moment, c'est ce qu'on espère hein, d'ailleurs un peu du côté lyonnais. Donc oui effectivement, 10 points c'est bien, mais c'est pas suffisant pour être à l'abri face à Lyon. Avec Marine Fautoux pour Marine Johannes, qui peut jouer Elena Siak, c'est propre en théorie, Elena Siak qui rate le cadre. Côté LDSL féminin, c'est le genre de ballon qu'il ne faut pas perdre côté BLMA. C'est le genre de ballon qu'il ne faut pas perdre parce qu'il coûte cher à ce moment du match, un moment où LDLC Asvel féminin est en train de pousser la sortie de Dabovic. Parce que Dabovic, par deux fois, elle avait été en échec. C'est très bien coaché. Là-bas, on a senti la petite baisse de rythme. Attention à ne pas perdre ce genre. C'est un moment important dans la rencontre. Oui, on sent que là, pour l'instant, Romane, elle l'a vu, hein, Romane Berniès, elle a senti qu'elle était frustrée d'avoir perdu ce ballon. Si Lyon marque sur cette action, on revient vraiment très très près. Bien joué cette transmission pour Michel qui se retrouve dans un fauteuil. C'est dommage que ce petit tir à deux points ne soit pas rentré. Ça permet à Montpellier de jouer sur la vitesse. Dans le jeu de transition, une très très grosse fixation de la part de Julie qui trouve Philippe. Finalement, elle a fixé 4 Lyonnaises. Hein, derrière pour Philippe, il n'y avait plus qu'à terminer le boulot. 29-17 côté scoring, le transfert sur Marine Fautoux. Oui. Les deux points avec la faute. Les deux points avec la faute qui relance totalement LDLC Asvel féminin et ce match. 29-19 au compteur et surtout le lancer franc à suivre. En faveur de Marine Fautoux, ça peut totalement relancer ce match pour les Lyon et relancer le match au total à 5 minutes de la pause, bien sûr. C'est super ce que fait Marine Fautoux. Elle amène beaucoup de solutions, je trouve, sur cette première mi-temps. Elle en est déjà à 7 points. Elle avait très bien fini sur le dernier match face à Sopron, on le rappelle. Hein. Elle est en confiance, elle est bien dans ses... je trouve que athlétiquement, elle est bien et capable physiquement de tenir, d'apporter un petit peu de défense. Et là, du coup, c'est Lyon qui passe en dessous de la barre des 10 points grâce à cette action à 3 points. Côté BLMA avec Allemand pour Touré maintenant. Cette action est également très importante, hein, bien sûr, côté LDLC Asvel féminin. On cherche le stop avec un shoot lointain, mais parce que défensivement, c'est compliqué. Ouais, un shoot lointain, pas pris tout de suite dans le tempo. Hein, quand elle reçoit la balle, elle est un peu arrêtée. Et là, c'est Marine qui va pouvoir prendre une position toute seule, vraiment toute seule. Dommage, là, on sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ça pousse d'un côté comme de l'autre, Sylvain, on l'a bien compris. Du côté d'LDLC Asvel féminin, on sait que c'est un moment important pour revenir. Elle a marché. Allez, on va être très clair aussi. Pour vous, si vous nous prenez en cours de retransmission, sachez que ce match a débuté sur une grosse, grosse intensité. Il y a des marchés, il y a des balles perdues, parce que je pense que certaines joueuses sont un petit peu à court de carburant en cette fin de deuxième quart. D'ailleurs, temps mort tout de suite pour souffler un petit peu. Les choses sont un peu compliquées pour les joueuses. On va juste saluer la performance des
les Soda Crew qui sont actuellement sur le parquet, parce que les Soda Crew, c'est pour vous qu'ils font le show actuellement. Donc merci à eux qui continuent à faire le show, même si cette salle de Mado Bonnet est vide. Eh bien, les Soda Crew ont tenu à continuer à faire le show pour vous qui nous suivez. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer vos messages sur la page Facebook. Allez-y, on fait dans l'interactivité cet après-midi. Si vous êtes supporter des Gazelles, si vous êtes supportrice, supporter des Lyons, eh bien, n'hésitez pas à laisser vos messages pour pousser votre équipe. C'est un match hyper intense. Et à ce moment de la rencontre, à 4:59 de la pause, tout est possible du côté des Lyons. Ça peut exploser. Du côté des Lyons, ça peut également revenir dans le match pour nous offrir une fin de match à suspense. Ah oui, tout à fait. Pour l'instant, il y a 9 points, mais on sent que les deux équipes sont en train de se regarder droit dans les yeux. Les deux équipes connaissent l'enjeu de cette rencontre et n'ont pas envie de laisser le moins de centimètres à son adversaire. C'est comme ça qu'on voit effectivement des organismes qui commencent à être un peu usés. En dette d'oxygène, l'adresse est beaucoup plus difficile. Et le temps mort là a permis aux deux équipes de reprendre un peu de souffle. Et Elena Siak qui revient sur le parquet. Elena Siak, voilà, plein cadre. Et là, on vous le rappelle, retour à la compétition hein, pour elle qui a été écartée des parquets pendant quelques semaines. Elena Siak, au niveau du scoring, c'est seulement 2 points à son compteur. Ça veut dire côté BLMA, on maîtrise totalement l'intérieur lyonnaise. Marine Johannes, beau shoot ouvert pour Alexandra Krevendakic. Le rebond, Elena Siak. C'est bien, Elena. C'est l'arme. Voilà, super. Ouais, bien sûr. Super. La faute, on est obligé, hein, côté BLMA, de contrer de manière irrégulière Elena Siak quand elle récupère cette balle. Et tout le banc, et là, il y a une image importante, tout le banc LDLC Asvel féminin s'est levé avec Pauline Salagnac, la directrice sportive d'LDLC Asvel féminin. Ouais. Elle a l'expérience de ce type de match, Pauline Salagnac, elle qui a quitté les parquets bien sûr récemment. Elle sait que c'est un moment clé dans la rencontre, les deux lancers d'Elena Siak. Le premier, il est raté, et là c'est pas un hasard non plus, c'est parce qu'on manque pas de talent bien sûr du côté d'Elena Siak, mais forcément on laisse du jus et tout est compliqué. Oui, parce que le rebond qu'elle a pris, il a fallu qu'elle aille le chercher très haut, elle est retombée tout de suite entre deux joueurs et oui, c'était dur de, c'est beaucoup d'énergie de donner et du coup effectivement on manque peut-être un petit peu de compétition en retour de Euroleague avec deux matchs quand même d'une intensité exceptionnelle contre une très très belle équipe de Sopron. Bah, du coup on y laisse forcément des plumes, hein, avec le déplacement, etc. Donc on est peut-être un petit peu en manque de canne du côté d'Elena. Effectivement, avec les deux équipes qui, on vous le rappelle, sont en pleine intensité. 4:33 à faire, Michel plus 8. Fait une belle interception. Un ballon, intéressant. Marine Johannes jusqu'au bout, peut-être en solo. Super. Ah, c'est propre. Ah, c'est propre parce que c'est pas facile hein, quand même. Hein. Non, parce que... Ça paraît facile. Hein. Julie, elle est venue lui couper la route en sautant. Enfin, il a fallu quand même, à la fois de la part de Julie, c'était super bien joué, mais... Marine, elle n'a pas été dupe, elle a dû la voir dans l'impulsion, elle est partie en contre-temps et elle a pu la laisser passer pour finir son geste tranquillement. Et là aussi c'est propre, de la part de Touré qui a pris position ici au poste très proprement, les deux équipes qui sortent d'un temps mort. 31-23, 3:50 à faire, 3 belles minutes à suivre. Il y a peut-être le shoot à prendre pour Michel Plouffe. Alexandra Krevendakic qui va être en difficulté face à Julie Allemand. Alexandra Krevendakic. C'est bien. Et ouais, à l'expérience, elle a été la chercher sur la verticalité. Oui, c'est-à-dire qu'elle l'a demandé 3 fois de suite à l'arbitre en essayant d'aller au contact. Et l'arbitre n'était pas dû parce que même si effectivement Julie avait peut-être l'intention avec les bras de pousser un peu. Bah, t'es obligé de siffler. Là, à un moment, oui, sur la troisième fois, elle est allée la chercher en plus près du cercle. Alors Julie, ça doit la faire rager parce qu'effectivement, il y avait un peu de cinéma de la part d'Alexandra sur les premières actions. Mais c'est le jeu. Je crois que d'un côté comme de l'autre, on a des joueuses comme Alexandra Krevendakic qui savent aussi jouer le jeu de Ana Dabovic. Bah effectivement. Et du coup, peuvent faire la différence avec les arbitres. Effectivement, 31-24, peut-être 6 longueurs seulement après ce lancer d'Alexandra Krevendakic. Ouais. Elle le fait, Alexandra Krevendakic. Elle qui avait permis à cette formation des Lyons de survivre dans le premier quart-temps, eh bien, elle va peut-être leur permettre de revenir dans ce match à la hauteur du BLMA. Mais attention, parce que Dabovic, elle a compris que c'était un moment important. Voilà, ça sont des joueuses d'expérience. Exceptionnel. Elle sait que c'est un moment important, fait le job. Elle va chercher Michel sur un dribble en profondeur. Elle va chercher le dribble en profondeur, elle revient sur deux appuis de loin d'elle pour prendre un tir bien joué. Là par contre, je jette un œil pour Dabovic. Là, elle a été prise bien sûr par le démarrage. Attention, 2 pour Dabovic, 2 pour Julie Allemand, 2 pour Milapi, 3 pour Collier. Ok, on est dans l'intensité, mais là-haut, ça commence à s'accumuler. Ah ouais, c'est sûr, il va falloir coacher.
Il va falloir coacher du côté de Montpellier parce que effectivement, même si le nombre de fautes est à peu près respecté de part et d'autre, on voit quand même qu'il y a des joueuses qui recentrent un petit peu l'attention des arbitres. Avec Dabovic à deux, on va suivre de près hein, bien sûr défensivement ce qu'elle propose. Ouais. À mon avis, elle ne va pas sortir les mains hein, défensivement Dabovic. Non, ça défend fort là du côté de Lyon. Ah ouais, on veut couper les transitions, voilà, et oui, c'est bien. Oui, oui, si, ouais. On l'a vu, Heinz. Et l'a technique vu, Heinz. Derrière. La technique pour Petit derrière, on va voir ce qui est décidé. Mais en tout cas, moi j'avais la tête sur Heinz. Je peux vous dire qu'Heinz, oui, elle a commis la faute tout de suite. C'est sûr. C'était clair. Donc la deuxième faute, effectivement, elle n'est pas de son fait, mais la première, bien sûr, elle est pour elle. Parce que ce duel à l'intérieur, on le suivait très très près. Et derrière, on s'en porte un petit peu. Attention, oui. Parce que ça, c'est peut-être le facteur X de cette fin de deuxième quart-temps. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas complètement du côté du BLMA ce match. Mais c'est vrai que c'est difficile de contrôler un match quand tu as en face de toi le DLC Asvel féminin. On savait que le match ne serait pas facile, même si le BLMA avait pris l'ascendant dès les premières minutes de jeu. On sait qu'il va falloir garder son calme jusqu'au bout. 33-28. Possession LDLC Asvel féminin à 3-12. Ouais. Les filles cet après-midi ont décidé de nous offrir un match à suspense. Oui, puis en plus de ça, on le disait clairement, il y avait deux façons d'assumer la suite de la rencontre. Et c'est Alexandra hein, qui est en train de faire un match superbe et qui ramène à elle toute seule l'équipe de Lyon sur ce deuxième quart-temps aussi. Si le coach prend une technique, c'est pas pour rien non plus. Il sent bien que son équipe est en train de perdre le fil et que c'est Lyon qui est en train de reprendre le momentum. Et là, c'est une balle gagnée de la part de Marine avec une bonne défense de Michel. On relance. Marine Johannes dans le corner. Là-bas, c'est compliqué. Voilà, la faute. La faute sur Marine Johannes. Voilà. Ouais, le tempo, il est LDLC Asvel féminin et bing, la technique derrière. Deuxième technique. Ah ouais, je pense que c'est tombé à l'opposé côté trio arbitral. Allez. Moi j'avais un œil sur le troisième arbitre. Voilà, il va y avoir explication. Ouais. Il va rendre son explication, mais je crois que là, ouais, on perd un petit peu ses nerfs. C'est dommage parce que ce BLM1, dans le jeu, en termes de construction, c'était parfait. Et puis là, il y a eu cette remontée, comme quoi c'est encore un peu fragile du côté du BLM1. Discussion entre le trio arbitral parce qu'il y a des choses qui ont été vues par le troisième arbitre qui n'ont pas été vues par les autres arbitres. Donc, il y a eu une technique de cycler, donc il va y avoir certainement deux lancers francs sur la première faute puisque l'équipe adverse était dans la pénalité, donc on se retrouve avec deux lancers francs sur la faute qui a été sifflée sur Marine. Il n'y a pas de rebond parce que derrière il y a eu une faute technique de siffler, donc ça veut dire que pour le moment il n'y a pas personne au rebond. Exactement. Encore deux lancers hein, comme c'est indiqué bien sûr par le trio arbitral. Donc Marine a shooté le lancer franc de la faute technique et maintenant on va shooter les deux lancers francs de la faute commise sur elle dans la fixation. Merci Sylvain, voilà comme ça c'est clair basket. Voilà. On va voir à combien on en est là au niveau des techniques parce que c'est parti de tous les côtés. Hein. Ça a claqué de tous les côtés. Au niveau du scoring, messieurs, on est plus qu'à un point côté LDLC Asvel féminin et peut-être. Et ben voilà, 33-33, les deux équipes à égalité à 2 minutes 30 de la fin de ce deuxième quart-temps. Retournement de situation, on avait prévenu, c'était soit le BLMA tuait ce match, soit le DLC Asvel féminin était capable de revenir. Et bien c'est le deuxième scénario qu'on a eu. Tout à fait, allez, on se bagarre, c'est bien. Voilà, Marine qui a bien suivi. On va garder la balle, bien sûr, côté LDLC Asvel féminin. On a intérêt à jouer tranquillement, jeu placé. Et on a intérêt à montrer qu'on est là en repassant devant tout de suite, bien sûr, côté LDLC Asvel féminin. On se retrouve avec Marine. Marine, super, cette main gauche. Bravo. Oh là là. Eh oui, bravo Marine. Là, tu as l'impression de voir une joueuse de 35 ans, là. L'intelligence de jeu et la jeunesse de Marine Fotoux. 35-33, côté BLMA, ça fait longtemps qu'on n'a pas scoré. Dabovic qui prend la main en offensive là-bas. Il y a Krevendakic qui s'est retrouvé au sol. Alexandra s'est retrouvée au sol. Faute offensive. Ça fait beaucoup. C'est en train de changer la physionomie de cette rencontre. Ouais, complètement. Côté BLMA, on était dans l'intensité. On l'avait précisé, il était normal qu'on commette certaines fautes. Jusque-là, c'était logique. Après, on a été un petit peu au-delà de cette intensité. Ouais, c'est ça. Attention à bien rester dans le match côté BLMA. Et puis, Montpellier a joué avec vraiment très très up tempo. Hein. Beaucoup de jeux en transition, beaucoup de tirs en première intention. Bravo Marine, c'était bien, vraiment bien joué la solution de passe qu'elle a proposé à Michel qui lui met la balle un petit peu basse, c'est dommage.
1 minute 40 à faire, plus 2 en faveur d'LDLC Asvel féminin. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que c'est un scénario à rebondissement que nous ont proposé les deux équipes, avec un net avantage aux joueuses de Montpellier en début de rencontre, et le retour d'LDLC Asvel féminin en cette fin de deuxième quart-temps. Ouais. Et le tempo est en faveur des Lyonnes avec Marine Johannes. Marine Johannes à 3 points, pleine confiance. Oh là là, il est énorme celui-là. À celui-là, il te met un coup sur le casque. Celui-là, il est dur parce qu'il celui-là, il est dur. Et il est dur pour le BLMA, parce que le BLMA est pas forcément très serein depuis quelques minutes. Et derrière, Marine Johannes, pas. Elle te met sur la tête. Bah là, c'est pareil. Il va falloir aller trouver des ressources côté Gazelle. Il va falloir trouver des joueuses d'expérience. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer au niveau du temps mort. Ouais, et puis le coach doit sûrement aussi un petit peu calmer tout le monde, parce que malheureusement, c'est lui qui a impulsé ça pour son équipe inconsciemment, mais en voulant s'énervant, il prend la technique, il se met à râler contre l'arbitre, et du coup, en fait, ça met tout le monde dans cette dynamique d'injustice. Et donc, du coup, avec une joueuse comme Anna Dabovic, avec Heinz, qui prend sa troisième faute sur une faute technique, ça, c'est un élément extrêmement important. Après, tu sais aussi que quand tu es coach, tu prends aussi ta technique, et tu sais quand tu la prends et pourquoi tu la prends. Tu veux aussi faire une révolte aussi dans ton équipe, pour remettre ton équipe dans le match. Ouais. Ça, Sylvain, ça, c'est aussi des choix coach. Hein. Ouais, c'est vrai, mais je pense que celle-là, il l'avait pas vu venir. Je pense qu'il a été pris dans l'euphorie, parce que la faute qui avait été sifflée, ça avait été vraiment litigieux, je suis d'accord. Mais du coup, il a réagi tout de suite avec le cœur. Et il s'est fait attraper tout de suite par la patrouille, bien sûr. Sans être averti ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est maintenant, c'est compliqué, quoi. Il faut remettre Montpellier dans la dynamique dans laquelle elle était sur le premier quart-temps, concentrée sur ce qu'elle a à faire en défense, concentrée sur son jeu rapide, son jeu de transition sur lequel elle a été énorme. Je rappelle quand même que Julie Allemand, sur ce début de rencontre, elle est déjà à 7 passes décisives dans le cadre de ses fixations pour trouver des caviars pour ses coéquipières. Et là, pour l'instant, on ne la voit plus. Effectivement, justement, voilà, tu vois la bosse. C'est, il fallait une joueuse cadre à ce moment du match, et bien Julie Allemand fait le job. 38-35 au scoring, plus 3 en faveur d'LDLC Asvel féminin. Il ne va pas se jouer grand chose dans cette dernière minute, mais je peux vous dire qu'on va vivre une deuxième période de folie. Allez, entre les deux équipes, parce que tout est possible. Alexandra Krevendakic pour Elena Siak, qui laisse échapper cette balle. Elle était un peu trop basse pour Elena, qui était en mouvement. En plus, difficile pour les joueurs intérieurs d'attraper ce genre de passe. Mais alors, par contre, là, c'était complètement forcé. Anna Dabovic qui passe à côté là pour l'instant, après un début compliqué. Ah, oh, Marine, belle défense là-bas, et la balle interceptée par le BLMA. Ça va très vite en cette fin de deuxième quart. 30 secondes à faire, il restera encore une possession, bien sûr, derrière. Plus 3 en faveur d'LDLC Asvel féminin. Julie Allemand à la baguette. Julie Allemand, faut défendre encore. Là, ça défend un côté LDLC Asvel féminin. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Oui, c'est bien, bien sorti. Et on va aller au bout Philippe du timing. Qui tire à 3 points. Le shoot, il est trop compliqué. Il est trop compliqué. Alexandra Krevendakic qui signale secondes. À tout le monde qu'elle va garder la balle. Ça va garder la balle côté LDLC Asvel féminin. Alexandra Krevendakic, pleine confiance. Ouh, à 3 points, qui échoue dans sa tentative. On va en rester là malgré cette dernière tentative de Julie Allemand. 38-35, un score finalement relativement bien distribué. Tout est possible en deuxième période. Ouais, super rencontre. Hein. On a vu, on dirait deux visages. Hein. On a vu une première période qui était complètement dominée par Montpellier, par le rythme, par l'intensité, par la vivacité, par le jeu magique de Julie à la baguette. Et une deuxième période où on a commencé à voir Lyon baisser d'intensité, puis progressivement se remettre en route. Allez, et être capable de revenir et de faire la différence. Restez bien avec nous, bien sûr, à l'occasion de cette rencontre, et notamment à la mi-temps. On a plein de surprises pour vous sur le banc d'LDLC Asvel féminin. Pas mal de jeunes qui évoluent, notamment au sein de la Tony Parker Adéquate Academy. Si vous ne connaissez pas encore l'académie de Tony Parker, eh bien on vous propose de la retrouver en image, la Tony Parker Adéquate Academy.
qui sont totalement revenus dans ce deuxième quart-temps. Nous, on vous propose tout simplement un petit coup d'œil dans le rétroviseur grâce à nos amis d'OLTV. Eh bien, on retrouve la campagne européenne de l'EuroLeague Women. C'était du côté de Sopron la semaine dernière. Les quarts de finale de l'EuroLeague Women, LDLC Asvel féminin, opposé à Sopron. En résumé en images maintenant. À l'issue de cette campagne européenne, que doivent-elles en retenir? Eh bien, on a été posé la question à la directrice sportive d'LDLC Asvel féminin, Pauline Salagnac. Une source d'inspiration, c'est aussi une voie. Je pense qu'ils montrent la voie. Ils montrent que, alors certes, Ekaterinbourg, on connaît leur budget, on connaît cette armada, mais Sopron montre aussi qu'avec des valeurs, avec un collectif fort, avec une continuité aussi dans sa façon de travailler, eh ben, ils peuvent rivaliser avec les plus grands. Et je pense que nous, c'est ce qu'on a envie de construire. Et je pense que c'est un bel exemple à suivre et s'en inspirer aussi. Il ne faut pas oublier que Sopron voilà, a beaucoup d'expérience sur l'EuroLeague. Elles ont dans le passé, il me semble qu'elles ont déjà joué plusieurs fois le Final Four. Donc c'est aussi un vécu qu'elles ont, une expérience qu'elles ont. Et il n'y a pas de hasard aussi. Dans les grands moments, des fois, cette expérience, elle compte. Et je pense qu'ils ils sont servis de cette expérience, d'avoir vécu deux Final Four. Tout ce qu'ils ont fait par le passé, forcément, je pense que sur le match de mercredi, ça a été un plus pour eux par rapport à notre vécu à nous. Mais c'est aussi en vivant des grands moments comme ça, en se confrontant à des équipes comme ça, qu'on va progresser et qu'on va construire notre histoire. Donc il faut apprendre de chaque moment, et Sopron est un bel exemple, et il faut aussi qu'on prenne aussi tout ce qu'il y a à apprendre de bon chez l'adversaire, même quand c'est un petit peu plus difficile pour nous. Emmanuel Funk est avec nous, directeur du développement des régions sud de Razelbeek. Emmanuel, bonjour, bonsoir. Emmanuel, une question. D'abord, il va falloir nous expliquer ce que fait Razelbeek. Salut Eric, bonsoir à tous. Alors, nous, Razelbeek, on est une entreprise de travaux publics. Alors, les travaux publics, il y a 20 ou 30 ans, je dirais, dans l'ancien monde, c'était de faire des routes, des autoroutes. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'aménagement des espaces publics au regard des enjeux de société qu'on a aujourd'hui, essentiellement autour de la transition écologique et la transition énergétique. Alors, ça se matérialise par la construction d'ouvrages liés à la mobilité, donc des tramways, des voies de bus en site propre, des métros. Ça se traduit dans le domaine de l'eau aussi, au travers de tout ce qui va toucher à l'assainissement, l'épuration, les canalisations, les ouvrages de lutte contre les inondations. Ça se matérialise bien sûr par le cadre de vie, avec la rénovation d'espaces publics pour aussi diminuer les îlots de chaleur. Et puis enfin, au travers de l'énergie, avec des réseaux de chaleur ou le travail sur les nouvelles énergies. On a d'ailleurs
récemment inauguré ce qu'on appelle le Quai des Énergies à Lyon, qu'on a fait pour la Compagnie Nationale du Rhône, qui est une station-service multi-énergie renouvelable. Bon, alors, si tu es présent avec nous, c'est bien sûr que tu es un partenaire fidèle d'LDLC Asvel Féminin. Ça fait 6 ans que cette histoire dure entre le club et Razelbeck. Un petit mot, parce que tu me précisais que c'était les noces de Chypre. Alors, c'est peut-être pas un hasard. Oh ben écoute, j'ai regardé, ça fait 6 ans. Alors 6 ans, c'est les noces de Chypre. Alors ce qui est marrant, c'est que le Chypre, c'est un élément de base de la parfumerie et ça symbolise le mariage parfait. Alors à la bonne heure. Et puis c'est un partenariat qu'on a démarré, on s'en souvient, au début avec l'ancienne équipe, puisque c'était le Lyon Basket Féminin. Et puis on a vu arriver, et ça me rappelle un souvenir extraordinaire, qui était au mois de je crois que c'était mai 2017, on était partenaire du match qui était le dernier de la saison, qui est celui qui a permis le maintien de Lyon en première division. Avec une ambiance énorme ici du côté de Mado Bonnet, vous vous en souvenez très certainement si vous êtes fan d'LDLC Asvel Féminin, et ce shoot à la dernière seconde manqué heureusement à l'avantage des joueuses lyonnaises. Une salle de Mado Bonnet qu'on connaît habituellement bien sûr comble à craquer ici. Ils sont très nombreux à nous regarder, Montpelliéraines, Montpelliérains, Lyonnaises, Lyonnais. Il nous manque dans ces salles. Écoutez, je crois que évidemment c'est terrible et on attend tous que ça, hein, l'ambiance qui pousse bien sûr l'équipe. Et évidemment, le 2 mai 2017, il y avait beaucoup de monde qui poussait derrière Lyon. Bon, alors en tout cas, entre Razelbeck et LDLC Asvel Féminin, c'est une histoire d'amour parfaite aussi, parce que on partage des valeurs ensemble, notamment la valeur de performance, d'exigence. C'est une des valeurs de votre corps de métier, de ton corps de métier. Exactement. Alors moi, je démarrerais même par une autre valeur qui est celle du club. C'est quand même l'authenticité qui rapproche aussi nos métiers, parce que finalement, nous, on est inscrits dans les territoires, donc on participe à leur histoire. Nous, on est présents à Lyon depuis plus de 60 ans. Et donc, son histoire, ses enjeux et toute cette vie, j'allais dire économique, culturelle, qui nous rapproche. Alors, évidemment, à côté de l'authenticité, l'exigence, bien sûr, parce qu'il faut ça pour avoir des résultats, pour avoir du niveau de performance. Et bien évidemment, tout ça avec l'esprit d'équipe. Que nous retrouvons bien évidemment au sein d'une équipe sportive ou dans une entreprise. Et la proximité, la convivialité, bien sûr, d'où ta présence avec nous. Emmanuel, un petit mot sur le fonctionnement de ton entreprise et le fonctionnement d'une équipe. On n'est pas très loin des mêmes modes de fonctionnement. Pour l'équipe, à chaque fois un nouveau match. Pour ton entreprise, à chaque fois un nouveau chantier, une remise en question. Alors exactement, donc quand on fait un chantier, à chaque chantier, on se remet en question. On a tendance à dire que chaque chantier est un prototype. Donc quand on a réussi un chantier, bien évidemment, il faut déjà se projeter sur le suivant. Et puis c'est une nouvelle aventure humaine aussi, puisque c'est aussi, je crois qu'il y a beaucoup de parallèles dans le management, c'est-à-dire la capacité qu'un match puisse faire intervenir aussi des personnes à différents moments des actions. Ben, nous c'est pareil sur les chantiers, des rotations de personnel. Et je pense que l'idée, c'est de trouver l'alchimie qui permet de trouver cet esprit d'équipe qui nous permet de réussir nos opérations. Il est bien évident qu'un chantier, c'est comme dans une équipe de sport, ce n'est pas une succession de talents, mais c'est bien évidemment d'être en capacité de les faire jouer ensemble. Et sur le parquet, on a énormément de talents cet après-midi. C'est l'équipe qui saura le mieux les faire jouer ensemble qui l'emportera. Merci beaucoup pour ta présence avec nous, Emmanuel Fink, directeur du développement des régions sud de Razelbeck. Razelbeck vous offre votre maillot dédicacé d'LDLC Asvel Féminin, dédicacé par toute l'équipe. Alors vous êtes peut-être supportrice et supporter montpelliérain, néanmoins vous pouvez bien sûr quand même jouer avec nous sur la page Facebook du club LDLC Asvel Féminin. C'est avec grand plaisir qu'on enverra ce maillot si c'est un montpelliérain ou une montpelliéraine qui l'emporte, parce qu'avant tout, ce qui nous porte, c'est l'amour du basket. Eh ben, excellent match et excellente deuxième mi-temps. Merci beaucoup Emmanuel Fink, donc présent avec nous. Je vous rappelle que bien sûr on se retrouvera dimanche prochain pour le match face à Tarbes. Ce sera à partir de 15h30 pour cette rencontre d'LDLC Asvel Féminin face à Tarbes. Ce sera également à suivre grâce à notre réseau bien sûr et au club LDLC Asvel Féminin en direct et en intégralité. Et puis on vous rappelle également qu'à partir du mois de juin 2021, ce sera l'Eurobasket Women. Ça débutera le 17 juin, ce sera du côté de Strasbourg. Et la billetterie a d'ores et déjà commencé. Alors pourquoi pas vous mettre devant votre clavier là maintenant et aller prendre vos places pour ce qui pourrait être les premiers rassemblements donc, de basket. 17 juin 2021 du côté de Strasbourg pour le début de cette compétition européenne. La promotion de la billetterie de cette Eurobasket Women. C'est à retrouver en images.
Retour pour vivre ensemble cette seconde période de ce choc entre le DLC Asvel féminin et le BLMA Latte Montpellier. Une confrontation à la hauteur de ce qu'on espérait, Sylvain, c'est-à-dire un gros match de basket. Oui, oui, avec vraiment chaque période pour son équipe, avec Montpellier qui était très très bien rentré dans la rencontre, qui avait été capable de prendre le rythme du match à son compte. Et progressivement, Lyon qui a su redresser la barre, qui a su relever la tête, qui a profité des moments un peu de flottement, d'égarement de la part de l'équipe de Montpellier, qui s'est retrouvée un peu confrontée aux décisions arbitrales. Et du coup, petit à petit, l'équipe de Lyon est revenue pour mener de 3 points à la mi-temps. Avec deux moments particuliers dans les vestiaires, très certainement, hein, avec deux équipes qui sont dans deux états d'esprit totalement différents. Là, on voit les Lyonnes regroupées autour de Guy Prat. Guy Prat qui est un élément important dans cette équipe. Il est en train de parler au groupe. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, Sylvain Guy Prat ? Difficile d'imaginer, mais en tout cas, je pense que Ils recentrent les filles sur les valeurs, sur les valeurs collectives, sur l'engagement, sur l'importance de cette rencontre au niveau du classement sans doute. Ils essayent de remobiliser les attentions et les attitudes de toutes les joueuses pour qu'elles puissent faire une deuxième mi-temps sans prendre l'eau dès le début du troisième quart-temps. C'est aussi le rôle de l'assistant coach, bien sûr, que de le faire dans ces moments, d'avoir un moment avec les joueuses. C'est également le rôle du coach associé, puisqu'on l'évoquait très récemment avec Freddy Fautoux, qui est bien sûr coach associé d'LDLC Asvel, que ces moments un peu particuliers, privilégiés, avec d'autres mots que ceux du coach qui sont importants. Côté BLMA, il a fallu remobiliser très certainement dans les vestiaires. Hein. Il a fallu remettre les joueuses face à ce qu'elles avaient réussi à faire en début de match, très certainement. Oui, tout à fait. On a vu tout le staff rester longtemps en dehors du vestiaire pour sans doute harmoniser le discours, laisser les filles un moment dans le vestiaire, peut-être pour qu'elles se disent deux, trois choses, laisser tomber la tension, parce qu'il y avait beaucoup de tension sur cette fin de première mi-temps. Et après, derrière, sans doute recentrer sur les valeurs qu'elles avaient mis en place et les choix tactiques qui avaient été faits sur le début de la rencontre. Du côté des Gazelles, on est déjà en place, comme vous le voyez sur les images, mais du côté des Lyonnes, on est encore regroupés là-bas. On a pas mal de choses à se dire, hein, du côté des Lyonnes avant de revenir. On va voir quel est le visage qui va être montré par les deux équipes sur le parquet. On a vu Anna Dabovic, hein, faire le tour de ses coéquipières, avoir un mot pour chacune d'entre elles. 38-35 au score. Mais elles sont toutes proches, hein, les deux formations, même si on le rappelle, côté BLMA, on a peut-être eu entre les mains un moment pour tuer le match. Oui, et comme tu le disais, ce moment, elles n'ont pas su le mettre à profit, et c'est Lyon du coup qui a été capable de revenir. On peut constater, hein, sur la feuille de stats quand même, deux équipes très très différentes, avec une répartition de la marque du côté de BLMA assez égale. Et à Lyon, assez bizarre, parce qu'on a l'habitude de voir beaucoup de joueuses scorer. Et là, on se retrouve avec Kreven Dakic à 15 quand même, avec Marine Johannes à 10, Marine Fautoux à 10 également. On a effectivement un score qui est peu réparti côté LDLC Asvel féminin, avec justement Alexandra Kreven Dakic pour son premier ballon. Sarah Chevaujon face à Dabovic, elle la provoque, le 1 contre 1. Sarah Chevaujon jusqu'au bout, peut-être c'est trop court. Ouais. C'était compliqué, hein, face à Dabovic. Un peu court, bien défendu de la part de Anna Dabovic. Et du coup, c'est Montpellier qui va avoir la possibilité de marquer les deux premiers points de la deuxième période. Allez, avec Julie Allemand à la baguette. Julie Allemand face à Elena Siak, elle ressort. C'est compliqué pour le shoot touré. Idéalement placé, tête de raquette ici, le rebond Elena Siak. Ça va être un paramètre important que ces rebonds défensifs et éventuellement les rebonds offensifs. Oui, alors qu'on voit une configuration un petit peu particulière de la part de Valérie Demory, puisqu'on se retrouve avec Marine Fautoux qui a redémarré et qui prend un tir ici. La faute, elle est pour Alexandra Kreven Dakic, qui a passé la main par-dessus Anna Dabovic. Anna Dabovic, c'était presque un appel au secours, hein, ce qu'elle a fait tout à l'heure. Là, elle s'est sentie en difficulté face à Kreven Dakic. Elle a ramené tout le monde à l'intérieur. Ça a ouvert des positions de shoot extérieures. Ouais. C'est sûr que c'est compliqué pour défendre sur Alexandra Kreven Dakic. Oui, c'est sûr. Et puis en plus de ça, elle a fait une première mi-temps exceptionnelle. Elle est en confiance.
Du coup, c'est bien d'essayer de la verrouiller tout de suite pour qu'elle ne s'emballe pas sur cette deuxième période. Bon, Sylvain, on a le même début de troisième quart-temps que le premier quart-temps, c'est-à-dire qu'on a deux équipes qui ont totalement verrouillé les choses et qui empêchent les équipes adverses de scorer. Pendant qu'au deuxième plan, vous voyez Nayor Hancock qui est sur le home trainer là-bas, qui est en train de s'échauffer. Vous voyez, les deux défenses sont totalement hermétiques. Hein. On n'a pas scoré, et peut-être les deux premiers points de ce troisième carton. Voilà, un lancer franc, hein, c'est de Philippe, hein, qui est allé chercher une position préférentielle près du cercle, et on ne lui a pas laissé l'opportunité de marquer un panier facile. C'est Elena qui est venue tout de suite en contestation, quitte à faire faute et à la mettre sur la ligne des lancers, mais elle marque le deuxième lancer franc. Avec Marine Fautoux qui remonte cette balle, qui vient de franchir la ligne médiane. En vrai patronne, hein, Marine Fautoux, avec son tout jeune âge, eh bien, elle se comporte en vraie patronne. Alexandra. Et alors celle qui est la patronne cet après-midi, je peux vous dire qu'Alexandra Krevendakic, ouais, super. Wow. Elle est revenue de Sopron avec un moral au plus haut. Je pense que le deuxième match face à Sopron a fait du bien à cette formation d'FDL Sazal féminin. Ouais, il lui a fait beaucoup de bien à elle aussi individuellement. Et là, elle a beaucoup de temps de jeu, beaucoup de responsabilités. Et elle montre qu'elle est capable de tenir la baraque. C'est important, hein, parce que c'est en l'absence notamment de Alicia Clark, on le rappelle, c'est bien d'avoir une joueuse de ce niveau-là, capable de prendre ses responsabilités et de maintenir cette équipe lyonnaise pour l'instant à 41. À 41 points. 41-37 dans ce match, tout est possible dans les secondes qui viennent maintenant. Elena Siak, le 1 contre 1 était compliqué face à Philippe. On a deux joueuses expérimentées et Philippe s'est imposé sur cette action. Il est ouvert pour coller ce shoot, elle le manque. Il va pas falloir trop les manquer, ces shoots-là, pour pouvoir revenir et recoller. Hein. Ouais, il tire un prix un petit peu dans la précipitation. Du coup, c'est ce qu'on dit. Peut-être que le choix, c'est d'emballer un peu la rencontre en termes de rythme. Et Lyon qui pose plus longtemps les systèmes, qui essaye de trouver des solutions sur du long terme. Alors là, c'est Sarah, là, c'est t'as bien. Pas le choix. T'as pas le choix, t'es obligé de basculer sur Elena, parce qu'Elena, c'est un danger. Et on a été obligé côté BLMA de faire le choix d'Elena Siak. Sarah Chevaujoin a pris ses responsabilités en suspension. Deux points, 43-37, l'écart est faible, mais néanmoins, il est à l'avantage d'LDLC Asvel féminin du côté de Collier. C'est très bien joué avec la planche. Faute offensive. Ah, oulala, oulala, faute offensive. Ouais. Alors moi je ne l'ai pas vu venir celle-là. Il y a peut-être un petit coude qui a traîné du côté de Collier. Je crois qu'elle s'est appuyée avec son bras droit. Je crois qu'elle a volontairement créé la distance face à Marine Fautoux qui était sur ses appuis. Et Sylvain, il y a des fautes offensives qui font plus mal que d'autres, parce que celle-là c'est la quatrième de Collier. Quatrième faute de Collier. Je pense qu'on va aller s'appuyer sur Collier, bien sûr on va la jouer côté Elena Siak. On insiste avec Philippe. Oui. Allez, Elena, c'est encore. Ça insiste peut-être un peu trop et Julie Allemand va en profiter peut-être. Julie Allemand qui n'a pas pu terminer cette action, c'est Dabovic qui le fait. Ouais, Michel Pouf, elle a tout emmené. Michel, elle est arrivée, opération chantier de déménagement. Blah, j'emmène Dabovic avec moi. Anna Dabovic qui n'a pas pu scorer, pourtant elle l'a tenté. Hein. Elle voulait le panier bonus. Bien sûr. Elle va devoir se contenter des deux lancers. 43-37, Sylvain, est-ce que c'est le bon choix d'insister du côté d'Elena Siak? Bah, disons que c'est sans doute la consigne de chercher à donner les balles à l'intérieur. On sait qu'elle est capable de faire la différence, mais pour le moment, elle est vraiment très très bien défendue par Philippe qui la connaît, hein, et qui du coup lui résiste parfaitement et la met en grande difficulté d'un point de vue offensif. Et Philippe, elle a pas de faute à son compteur, ça veut dire qu'elle peut elle rester dans une forme d'intensité côté BLMA. Est-ce qu'on a intérêt à emballer cette rencontre et à mettre de la vitesse? C'est sans doute de toute façon la plus grande force de Montpellier, c'est de jouer sur la vitesse de Julie, c'est de jouer sur les jeux en transition, ne pas laisser à l'équipe le temps de se mettre en place. Alors que là, vous voyez, on essaie de trouver des solutions. Bien, Sarah a récupéré un ballon compliqué. C'est miraculeux. Hein. C'est miraculeux côté LDLC Asvel féminin. Si Marine Fautoux fait oui, le Marine. Job sur cette action. C'est bien, Marine. Elle a été chercher la faute, Marine Fautoux. On s'en sort très, très, très bien côté LDLC Asvel féminin parce qu'on était en difficulté. Hein. Ouais, grande difficulté pour l'instant. C'est d'abord un exploit individuel de la part de Marine là, d'aller provoquer cette faute et de se retrouver sur la ligne des lancers francs. On se rend compte que du côté de Lyon, les transmissions de passes sont plus compliquées parce que Montpellier met beaucoup, beaucoup
d'intensité sur la défense. Avec Marine Fautoux qui fait le job pour son premier lancer réussi, 44-39, c'est toujours pareil. Cet écart, il est toujours là, il est faible, mais il est toujours à l'avance, à l'avantage des joueuses d'LDLC Asvel féminin avec Nayor Hancock au rebond. Elle n'en aura pas besoin parce que Marine Fautoux fait très proprement le job. 2 sur 2 pour Marine Fautoux, 45-39, plus 6 côté BLMA. Retrouver des fondamentaux du jeu placé. Hein. Ouais, retrouver et du coup, attention aussi aux organismes parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'intensité de part et d'autre du terrain avec deux équipes qui font des efforts autant pour se démarquer que pour trouver des solutions, se battre au rebond comme c'est le cas là pour l'instant avec les deux équipes. C'est Anna Dabovic qui récupère ce ballon et qui donne la possibilité à Montpellier d'avoir une seconde action pour pouvoir marquer. Avec un gros temps de jeu, et plus vous avez temps de jeu, forcément, plus vous allez taper dans les organismes, et plus ça va être compliqué pour les filles sur le terrain. Gros temps de jeu et des changements côté BLMA. Non, Philippe, voilà, Dabovic, bien sûr, parce qu'on l'a vu, Dabovic marquer un petit peu le coup. Il y a des signes qui n'ont pas trompé, même si là, elle a récupéré ce rebond, il y a des signes qui ne trompent pas. Mmh. On veut la préserver aussi pour un dernier carton qui sera sûrement intense. Ouais, un dernier carton et dernière minute. D'un carton de ce troisième carton aussi peut-être la ramener avec un peu plus de fraîcheur. Ouais, super. Et là c'est Touré pour l'instant hein, qui fait une rentrée remarquable sur ce deuxième mi-temps. Très très bien joué de sa part sur cette action. C'est propre, c'est efficace, c'est ce dont le BLMA a besoin côté LDLC Asvel. Il faut être capable de jouer aussi propre et aussi efficace. Sarah Chevaujon énormément sollicitée en cette fin de troisième quart-temps. L'interception ouais. De Julie Allemand. Belle défense du BLMA. 45-41. BLMA qui a un ballon pour revenir à une possession. Ouais, et BLMA pour l'instant qui vraiment fait une très très belle troisième période. Avec Touré et l'impact de faire la différence. Nayo qui s'est fait prendre en puissance sur le rebond. On est en train de totalement revenir côté BLMA sous l'impulsion de Touré dans cette rencontre. 45-43 là-haut au compteur hein, normalement. Voilà, ça y est, c'est corrigé ici dans la salle avec ouais. Marine Fautoux. Marine Fautoux, elle prend ses responsabilités là-bas. L'idéalement sortie pour Michel Plouf qui prend elle-même son rebond. Ouais, et Lyon pour l'instant a beaucoup plus de mal, je trouve, à transférer les ballons. On voit que sur les systèmes, c'est plus long, les vitesses de déplacement sont un petit peu plus courtes. Alors que là, c'est super bien joué entre Alexandra et Nayor Hancock. Nayor Hancock qui marque ses deux premiers points de la rencontre. Avec une formation d'LDLC Asvel féminin qui résiste parce qu'on s'en rend bien compte du côté du BLMA. On pousse ouais. Avec justement. Eh bien, Collier qui allie le geste, la parole au geste. Ah ouais, voilà, tout en puissance et ça va jusqu'au bout. Ça pousse. Et pour le moment, ça revient avec Heinz sur cette action 47-45, plus 2 en faveur d'LDLZ. On l'a dit, hein, cette joueuse, elle est vraiment hyper puissante. Donc du coup, elle se retrouve avec Raven Dakic. Elle doit lui rendre 15 ou 20 kilos. Difficile pour elle, alors que là, on cherche des passes au-dessus. Et ça permet à Julie Allemand de remettre du rythme. Et peut-être de trouver des solutions. Il y a un ballon pour passer devant. Assez rapide, ouais. Un ballon pour passer devant, peut-être à Touré ou Julie Allemand à 3 points. Elles sont capables de le faire à 3.47 de la fin de ce troisième quart. Festival Touré, oh là là. Interception Michel Plouf, Sarah Chevaujon, le 1 contre 1 face à Julie Allemand. Oui. Ouais, la faute. Oui et non. Hein. Alors oui pour Sarah Chevaujon, LDLC Asvel féminin. Non pour Julie Allemand qui est sanctionnée sur cette action, logiquement bien sûr. Hein, parce qu'elle a touché. Sarah Chevaujon sur cette action. On retrouve certaines joueuses cadres importantes avec de l'expérience. Julie Allemand, Sarah Chevaujon. On a vu à de multiples reprises Alexandra Krevendakic, Touré, bien sûr également. Et du coaching côté LDLC Asvel féminin avec le retour d'Ingrid Tancret. Oui, Ingrid Tancret qui va faire souffler un peu Marine Fautoux hein, qui est très bien rentrée dans cette troisième période également. Et Marine Johannes qui va rentrer, qui va remplacer Sarah Chevaujon qui a fait le job. C'est bien ce qu'elle a proposé. Et du coup, reste 3 minutes 30. Lyon pour l'instant mène de 5 points sur cette troisième période. Avec Dabovic là-bas en grande discussion avec son coach. Bien sûr, quelques consignes. On va patienter avant de la revoir sur le parquet. 3.30 à faire dans ce troisième carton. Plus 5 toujours, c'est finalement l'écart. Ouais, c'est bien la pression défensive qui a été mise. Et le retour. Et oui. Le retour, grosse pression défensive.
Alexandra Krevendakic, elle est partout. Hein. Je peux vous dire que sur la ligne de stats, ça se voit pas forcément sur une ligne de stats, mais défensivement, elle est là aussi. Alors sur les autres lignes de stats, elle est là, mais défensivement, elle est là. Ouais, il y a eu une super com là, qui a été faite entre Ingrid Tancret et Alexandra Krevendakic, qui est sortie très fort sur la joueuse qui était porteuse de balle, et du coup, qui lui a fait perdre le ballon, et qui permet à Lyon d'avoir une balle pour reprendre un peu d'air. On se rend coup pour coup dans cette rencontre entre les deux formations. Alexandra Krevendakic, une nouvelle fois sollicitée, la faute de Dabovic. Attention Dabovic, on va jeter un œil, c'est la troisième. C'est la troisième, tout à fait, mais derrière, c'est vrai que côté BLM1, Collier à 4, Touré à 3, Dabovic à 3, Julie Allemand à 3, Milapi à 3, Heinz Allen à 3. Attention. Ça revient de l'extérieur du terrain pour Alexandra Krevendakic, qui rend cette balle aux joueuses du BLM1. Ballon important à 3-16 de la fin de ce troisième quart. Un troisième quart pendant lequel les deux équipes se sont neutralisées, Sylvain. Oui, pour l'instant, on se donne beaucoup de part et d'autre. Hein. C'est extrêmement intéressant. On voit du coup que là, regardez, c'est Montpellier maintenant qui se trouve plus en difficulté pour transmettre les ballons. Et du coup, un ballon perdu, une balle récupérée par Alexandra Krevendakic qui est, comme tu le disais, hein, présente sur tous les bons coups de LDLC Asvel Féminin. Là, un ballon qui va circuler, c'est Michel qui se retrouve face à Julie Allemand. On a du mal à le ressortir proprement, c'est Alexandra Krevendakic qui va être obligé de faire le job. Et le ballon volé par Anna Dabovic intelligemment, et Alexandra Krevendakic qui s'en est vu dépossédé à l'avantage du BLM1. Un coup vraiment à l'ancienne, hein, comme on peut le dire, qui est allé chercher derrière la joueuse à toucher le ballon, on aurait pu même le récupérer. Et l'arbitre a pensé que c'était la joueuse lyonnaise qui l'avait sorti. On a quand même l'impression, Sylvain, qu'un d'un côté comme de l'autre, on sait qu'on va s'expliquer dans le quatrième quart. Clairement, pour l'instant, il n'y a pas une équipe qui fait la différence. On se retrouve avec... on se rend coup pour coup. On maintient les défenses. Et là, attention, parce qu'on va sur la ligne. On va sur la ligne élancée, côté BLM1, avec cette faute de Nayour Hancock. Sur la ligne élancée, c'était la troisième pour Nayour Hancock. La sortie d'Alexandra Krevendakic, remplacée par Sarah Chevaujon. La même chose pour Collier de son côté. Côté BLM1, bien sûr, remplacée par Milapi. Et du coup, voilà. Donc là, on est vraiment clairement dans la gestion des duels. Hein. Milapi qui rentre, du coup, Demory qui n'hésite pas une seule seconde, qui ramène également Elena pour peut-être se retrouver avec une force supplémentaire sur le secteur intérieur. Parce que je pense qu'elle aura plus de facilité à jouer Milapi et Elena que Philippe. Allez, on va suivre ces deux lancers de près. 2 sur 2, eh bien non, 1 sur 2. On est rentré côté BLM1, ça va rendre cette balle à LDLC Asvel Féminin. Plus 4 en faveur d'LDLC Asvel Féminin, on l'a bien compris. Hein. On nous garde tout pour un final de folie à 2-23 de la fin de ce troisième quart. Exactement. Les deux équipes, là maintenant, c'est Lyon qui va poser un système. Mais on voit la volonté de l'équipe de Montpellier de beaucoup perturber dès la montée de balle. Attention, ça a encore discuté la batterie arbitrale. Côté opposé, voilà, on est venu discuter avec le banc du BLMA. Faut pas trop s'échauffer, ce serait dommage qu'on perde des points sur ce genre de choses. Marie Jones, superbe. Superbe. Basket des écoles. Superbe. La relation Michel Plouffe et derrière tout de suite Marine qui va proposer une solution à l'intérieur. Qui pose un dribble et là, qui va faire la différence. Ami coach des jeunes, hein, si vous avez une vidéo à passer à vos gamins lundi, vous faites Marine Johannes, Michel Plouffe, et puis vous les mettez à l'entraînement pendant une petite heure. Basket des écoles, c'est efficace, c'est propre, et ça permet à LDLC Asvel Féminin de prendre 6 longueurs d'avance. Ouais, un peu s'éva des écoles, et c'est Michel derrière qui a fait une grosse faute, hein, sur la fixation de Berniès. On lâche des points sur ces lancers. C'était la quatrième faute de Michel Plouffe. Il y a peut-être des joueuses qui vont avoir du mal à terminer cette rencontre. Je vous rappelle qu'il reste 12 minutes à faire. Le 0 sur 2 qui lâche beaucoup de points. Un moment important du match. 2 minutes de la fin du troisième quart. Côté LDLC Asvel Féminin, eh bien, on dispose toujours de ces 6 longueurs d'avance. Situation, encore. C'est la même. C'est la même. La finition était vraiment compliquée de la part de Marine, mais c'est la même. Hein. Pas la finition, Michel, elle était all-star. Passeva et derrière, malheureusement, elle n'a pas pu marquer. Elle est allée chercher un tir
un peu compliqué, je pense. C'était finition All-Star Game pour Marine Johannes, mais c'est ça aussi qu'on apprécie dans son jeu, le côté spectaculaire. Bien sûr, là-haut, il y avait un beau duel tout en puissance. Michel Plouf qui n'a rien pu faire face à Heinz Allen. Ouais, et puis Michel qui sait qu'il y a 4 fautes, donc du coup, elle ne va pas volontairement couper les bras de la joueuse en face. Et du coup, c'est bien joué de la part de Montpellier. Aussi, bah oui, voilà, exactement. Allez, on se retrouve avec un beau tir ouvert là de la part de Sarah. Sarah qui met dedans, super. Et Sarah Chevaujon, tout de suite, le repli défensif parce que Dabovic est parti dans son dos. Et bien, elle attendait cette balle, Dabovic. Allez, mais Sarah Chevaujon était bien placée là-bas. Une nouvelle fois, la puissance d'Heinz Allen qui ouvre bien le chemin du panier. Oula. C'est bien ce qu'a fait Lyon là. Elles ont vraiment bien défendu collectivement. On n'a pas hésité à faire les efforts pour rentrer dans les rotations du côté des Blanches. Alors, il y a peut-être une faute sur Sarah Chevaujon là-bas, parce que Berniès s'échoue avec Sarah Chevaujon. Le transfert sur Michel Plouf, Marine Johannes qui va peut-être être obligée de créer l'exploit sur cette action. Oh, la belle passe. Deuxième fois, superbe. Oh là là. Tout est parti de Marine Johannes. Et derrière, eh bien, des Lyonnaises qui se connaissent bien et qui prennent un plus 9. Et plus 9 à 30 secondes de la fin du troisième. Ouais, on peut pas imaginer meilleure fin de période pour l'équipe lyonnaise. Discussion avec les Lyonnes qui réclament cette balle, notamment Valérie Domori. Discussion parce qu'on n'a pas forcément vu la même chose du côté des trois arbitres. Non, la balle sera en faveur du BLMA. On a déjugé, il y avait un meilleur angle de vue du côté du troisième arbitre. Cette balle en faveur du BLMA pour relancer le BLMA, pour leur permettre surtout de tenter de réduire un écart qu'ont creusé les Lyonnes en moins de 2 minutes avec ce plus 9. Là où on pensait qu'on allait tranquillement aller vers le quatrième, Sylvain, tout peut se jouer en cette fin de troisième. Ouais, alors que du coup là c'est un tir compliqué, ça va permettre à Lyon d'avoir une dernière possession sur cette troisième période. Ingrid qui donne la balle à Marine Johannes, on va certainement jouer un jeu à deux avec Elena qui vient poser un écran, Marine qui va fixer, on va chercher Elena dessous. Une passe compliquée. Oh là là, la faute. Oh. Oula. Et un entre-deux sifflé sur cette prise de possession, c'est-à-dire que l'arbitre a considéré que le défenseur avait mis les mains sur le ballon en même temps que Elena avait les deux mains sur le ballon et du coup les deux joueuses sont retombées au sol. Pour 4 secondes côté BLM on va récupérer la balle, ça veut dire qu'ensuite on va récupérer la balle. Côté LDLC Asvel féminin, finalement, c'est une opération plutôt intéressante. Oh, le démarrage de Touré, elle a mis tout le monde dans le vent, idéalement placé pour le shoot là-bas, il sera pas dedans. Touré avait mis du jus. Ouais, elle a mis beaucoup de vitesse. Et malheureusement, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais le tir a été annulé par les arbitres. Allez, restez bien avec nous parce qu'on vous annonce un quatrième quart où tout est encore possible. Nous, on va en profiter entre ce troisième et ce quatrième quart-temps pour vous proposer un nouveau jeu. Alors là, on va être clair avec vous, supportrices et supporters montpelliérains, ça va être compliqué pour vous parce que le jeu est en partenariat avec la boulangerie Claire. Et la boulangerie Claire, elle est juste à côté de Mado Bonnet dans le 8e. On vous propose tout simplement de gagner une semaine de pain, deux panettones à venir chercher ici. Je sais que Sylvain a ses habitudes le matin ici du côté de la boulangerie Claire, c'est le jeu Asvel. Vous allez faire un tour cette fois-ci, non pas sur le Facebook, mais sur le compte Insta d'LDLC Asvel féminin et vous gagnez grâce à notre partenaire la boulangerie Claire une semaine de pain, deux panettones à gagner. Puis on vous rappelle que si vous êtes des fans de basket, le maillot d'LDLC Asvel féminin dédicacé, il est à gagner sur la page Facebook cette fois-ci grâce à notre partenaire Razelbeck avec qui on était présent à la mi-temps. Et puis le plus beau des cadeaux, eh bien, c'est bien sûr le match que nous offrent les deux équipes actuellement. 57-48, ne vous y trompez pas, là-haut ça ne veut pas dire grand chose au niveau du scoring. Tout est possible dans ce quatrième quart. Un BLMA concentré, un BLMA qui pourrait nous proposer la qualité de jeu des premières minutes ici et la rencontre serait totalement relancée. Ouais, c'est sûr. Et parallèlement à ça, on pourrait aussi s'imaginer que Lyon soit capable de forcer un petit peu sur le jeu intérieur. Parce qu'on remarque sur la marque pour l'instant, 7 points seulement sont marqués par les 3 joueuses qui tournent sur le secteur intérieur. Elena 5 points, Nayo 2 points et pour l'instant c'est tout ce qu'on a dans ce secteur de jeu. D'un autre côté, ça veut dire que nos extérieurs sont aussi assez régulières sur le tir extérieur.
et sur le jeu en fixation. En face dessous, tu as des tôlières aussi, hein, côté BLMA. C'est dur. Et c'est pas très facile d'aller jouer dans ce secteur de jeu parce que Philippe a pour le moment parfaitement maîtrisé Elena Siak. Mais on le rappelle, attention aux fautes. Hein, pour Aïn Salen, elle est à 3. Pour Collier, elle est à 4. C'est compliqué défensivement de défendre pour le BLMA. Ouais, Montpellier qui décide de rentrer tout de suite sur une défense de zone. On a Yoren Kok au-dessus de tout le monde. Mais Yoren Kok qui participe au rebond offensif, c'est bien parce que sur les défenses de zone, on sait que c'est un petit peu compliqué. Là, du coup, elles ont changé. C'est Sarah qui prend un deuxième tir rapide, mais c'est Elena qui se bat bien sur le rebond. Par contre, c'est l'équipe de Montpellier qui remporte la balle et qui aura la possibilité de rentrer sur le score sur cette possession. Un peu seul Elena face à Collier et face à Aïn Salen. Ouh là là, voilà, là on s'est imposé, on vous le disait, hein, dans ce secteur côté BLMA, on est bien fourni. On fait parler la poutre, 57-50, la faute. La faute de Dabovic, attention, Anna Dabovic, c'est la quatrième. Oui. C'est la quatrième, ça va défendre sans les mains, parce qu'il va y avoir 9 minutes 20 à faire. Hein. Après Dabovic, elle est passée, elle fait une faute en essayant, dans la roublardise, hein, de prendre le ballon par derrière, comme elle l'a fait tout à l'heure sur Alexandra Krivendakic. Et du coup, effectivement, là, elle est prise par la patrouille. Bonne passe cette fois-ci, voilà, on cherche, hein, sur le duo. On sait que ça avait bien fonctionné à Sopron, le duo Marine Johannes et Elena Siak. Et c'est Elena du coup qui marque pour l'équipe de Lyon. On n'est pas du tout dans la même physionomie que le premier carton où les Lyonnaises avaient pris des risques bien sûr sur leur shoot. Mais c'est pareil côté BLMA, on pousse dessous. Il y a des gestes, il y a des attitudes, il y a des engagements. 59-52, tout est encore possible d'un côté comme de l'autre. 8-50 à faire. Aïn Salen, hein, qui fait preuve vraiment de puissance, de vitesse. C'est vraiment un dragster cette joueuse. Elle est hyper intéressante et puis quand elle se retrouve en défense... Elle est aussi capable de c'était prendre... C'était un peu court du côté de Sarah Chevaujon. Hein. Sarah peut-être un petit peu à court de jus. Elle a été énormément sollicitée, Sarah Chevaujon. Ingrid Tancré qui vient lui parler d'ailleurs. Hein. Elle vient voir Sarah en lui disant attention. Eh bien voilà, du côté de... Moi je vais faire coach valet quand je serai grand. Voilà, ce sera mon métier, je serai coach valet. Ah, il a senti 2-3 fois. Là, Sarah, s'est retrouvée en situation d'échec. Sûrement dans le respect des consignes, avec la possibilité de tirer sur le jeu ouvert et sur la défense de zone que Montpellier proposait. Malheureusement, elle n'a pas mis ses paniers, mais bon, c'est Alexandra qui rentre, elle est dans une grande forme sur ce soir. Peut-être qu'effectivement, faut la laisser sur le terrain. Il y avait du jus qui est mis et de l'intensité par Berniès là-bas. Elle essaye d'accélérer un petit peu tout ça et de mettre de la vitesse côté BLMA. Malheureusement, sans succès côté Ingrid Tancré. Balle en main maintenant pour organiser tout ça. Bien sûr, la tôlière de ce match, vous l'aurez compris, c'est Alexandra Krivendakic. Elle va le faire toute seule. Elle va jouer Philippe certainement. Après, derrière, elle sort un beau ballon pour Ingrid qui est dans une situation magnifique. Oui, alors Ingrid Tancré, le lutin, quand tu lui donnes un ballon comme ça, sais que derrière... quand tu as bien fixé comme l'a fait Alexandra Krivendakic, ça fait mal. Les plus 10 sont là, Sylvain. Et oui, et tout à l'heure on le disait, sur un match comme ça, plus 10 c'est important, c'est quelque chose, c'est un gros écart, hein, déjà, parce qu'on sait que les deux équipes sont capables de marquer. Et de ce côté, il n'y a que Heinz qui fait la différence, hein, en puissance, contrée deux fois de suite par Elena. Pourtant, elle monte avec beaucoup de volonté. Elle en sourit d'ailleurs un peu à l'arbitre en disant qu'il y avait peut-être quelque chose, mais moi je trouvais que Elena était montée très propre, très droite, et l'a contrée deux fois de suite. Et Alexandra Krivendakic, c'est pas un hasard, c'est elle qui se retrouve encore en possession de la balle pour Marine Johannes. Marine Johannes, elle va déclencher Marine Johannes quand elle est comme ça. Bing, c'est parti. Marine Johannes jusqu'au bout. Ah oui, quand elle vient chercher la balle, Marine Johannes, comme ça. Sylvain, moi j'ai qu'un conseil, si vous êtes comme moi et que vous avez peur, il faut faire tout de suite faute sur Marine, parce que là vous allez prendre du vent, sinon vous allez vous faire enrhumer, quoi. Ouais, mais oui, mais bon, les fautes, le problème de Montpellier, c'est que des fautes, il peut plus trop en donner, hein, parce qu'il a beaucoup de joueuses qui sont entre 3 et 4 fautes. Et notamment des joueuses majeures, et du coup c'est bien joué l'agressivité offensive que met Marine sur une situation comme ça, en sachant que les joueuses adverses vont pas oser mettre les mains, vont pas oser la bousculer parce qu'elles n'ont pas l'intention de sortir tout de suite de la rencontre. Du coup bravo. En plus de ça, bon, sur le jeu à deux, Elena s'est écartée, ça a créé la différence, l'ouverture. L'espace était là. Création de l'espace, là aussi vous pouvez garder la vidéo, hein, pour lundi prochain, pour les coachs. Vous isolez la vidéo, vous faites un petit atelier sur la création de l'espace, le jeu sans ballon. Vous allez voir Marine Johannes, Elena Siak. 64-52, la messe est loin d'être dite néanmoins, Sylvain, parce qu'on l'a vu dans ce match, tout est possible, il reste encore 7 minutes. Hein. Oui, et puis attention aussi, attention à la fatigue côté lyonnaise, parce qu'elles ont quand même, elles rentrent d'un déplacement avec deux matchs d'Euroleague. On sait que c'est à la fin, là, que la fatigue peut faire la différence, hein. On peut être en gros déficit d'adresse si les organismes sont usés. Il va falloir tenir mentalement, l'écart est beau pour l'équipe lyonnaise.
mais Montpellier a de beaucoup de ressources, et notamment sur la vitesse, peut-être qu'elles feront la différence là-dessus pour revenir au score. Et Sylvain, on va le repréciser, hein, parce qu'il faut pouvoir lire ce classement de LFB avec les matchs en retard. C'est un match qui n'est pas à la vie et à la mort, mais c'est un match très 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 important. Ouais. C'est comme si les playoffs avaient déjà commencé. Hein. Ouais, très important, notamment pour l'équipe de Montpellier qui a déjà 7 défaites. Hein. 7 défaites, c'est beaucoup dans le championnat. On n'est pas sûr encore à 100% qu'il y ait des playoffs qui puissent se faire. Montpellier par contre est encore engagé en Coupe de France, mais c'est sûr qu'aujourd'hui elles ne veulent pas laisser passer le match. Effectivement, et elles se battent, hein, 64-54 plus 10 en faveur des Lyon. Nayoren Koch, elle se retourne. C'est propre, mais c'est pas suffisant parce qu'en face il y a des clientes, hein, on l'a dit il y a quelques minutes, ouais. Défensivement on est là. Moi ce qui m'impressionne c'est Collier, elle a 4 fautes depuis déjà 20 minutes, et bien elle a toujours que 4 fautes à son compteur, elle défend propre Collier. Hein. Elle défend propre, là c'est bien, ouais, c'est... Elle a passé la main, Elena. Ouais. Prise par la patrouille, la première faute d'LDLC Asvel féminin dans ce carton. Oui, Collier, elle a 4 fautes depuis 40 minutes. Oui, alors qu'on voit qu'il y a effectivement, on a vu à l'antenne, Monique Macani qui est sur le terrain. Monique, dont on parlait tout à l'heure, qui était une joueuse du centre de formation de LDLC Asvel féminin et qui est très régulièrement encore à l'académie pour travailler ses gammes. Effectivement, elle a tenu par cœur adéquate académie, Monique Macani. Ce qu'on attend d'elle, c'est de la vitesse forcément, c'est du jus, c'est de l'explosivité. Vous allez voir, elle est capable sur deux pas de faire la différence. Ouais, et puis de la défense aussi. Et de la défense aussi. De la défense, parce qu'on sent que là, il va falloir défendre fort, notamment sur des joueuses expérimentées que peuvent être Julie Allemand ou Anna Dabovic. Ouais, avec Julie Allemand qui commet la faute sur Ingrid Tancré là-bas, et Monique Macani qui sort tout de suite, remplacée par Marine Joannès. Ouais, Marine qui avait peut-être besoin de récupérer un peu d'oxygène. Julie Allemand, quatrième faute. Julie Allemand, quatrième faute, Dabovic, 4 fautes, Collier, 4 fautes. C'est plus inquiétant ces 4 fautes de Dabovic et de Julie Allemand, parce que ce sont deux éléments clés, bien sûr, en faveur du BLM. Oh là là, cette passe. Oh là là, le caviar. Oh là là, magnifique. Le caviar, je dis un truc, mais moi je le mets, je pense. Non, je suis capable de le rater. Mais quand on est servi comme ça sous le cercle, cette superbe passe de Marine Joannès. Dabovic a mis distance. Dabovic, c'était très bien joué, le démarquage, il était malin. Il était malin ce démarquage, elle avait un tir tout fait, presque trop facile pour elle. Et du coup elle a raté, du coup c'est elle maintenant qui va devoir faire les efforts en défense. Elle se retrouve sur Marine Joannès, c'est dur pour elle, mais c'est bien défendu. T'as vu comme elle est là tout de suite, Dabovic, elle est maligne, Dabovic, elle avait vu déjà l'action, elle avait lu l'action, elle était déjà partie en contre-attaque, Anna Dabovic, ça n'a pas souri, mais au moins on tente le tout pour le tout côté BLMA pour revenir, 5 minutes 30 à faire, la ligne de passe, voilà la cinquième, et oui, elle y a été, Dabovic, mais alors là c'était prévisible, elle y a été, elle est un petit peu en retard forcément, elle emmène tout sur son passage, elle quitte le terrain. Dabovic, attention, ça c'est un moment important. On peut se demander pourquoi elle cherche à faire une interception comme ça en mettant les mains. C'était tentant. Oui, mais elle est expérimentée, elle a 4 fautes. Pourquoi est-ce qu'elle vient, elle pénalise son équipe finalement en sortant si rapidement? Il reste 5 minutes 30. On sait qu'elle est importante sur la fin de la rencontre. Et là, Ingrid. Première intention, bing, le rebond en faveur d'Heinz là-bas. Peut-être la petite faute d'Alexandra Krendakic, c'est ce que Heinz Allen a précisé au trio arbitral. On prend des risques d'un côté comme de l'autre. On essaye de faire basculer cette rencontre, Sylvain. Ben oui, mais là, du coup, c'est tout en la faveur de Lyon, c'est-à-dire Montpellier qui joue en première intention en essayant de revenir au score sur des tirs à 3 points qui sont quand même extrêmement compliqués en pleine vitesse. Et puis derrière, Lyon qui va jouer la montre. Et là, c'est du coup Marine qui nous fait un récital sur le jeu intérieur sur lequel elle va trouver des passes. Et ouais, Showtime des passes. Alors Marine Joannès, on vous parle souvent de son talent balle en main en 1 contre 1. Mais Marine Joannès, elle vous a montré toute l'étendue de son talent au niveau des passes caviar. Elle l'a fait sur Michel Pouf tout à l'heure. Elle le fait sur Elena Siak, 68-56. Sans Dabovic, côté BLMA, il faut absolument prendre des risques à 4-50 maintenant. Ouais, alors il va sans doute essayer de mettre des choses en place au niveau de la défense pour essayer de perturber un peu cette équipe lyonnaise. Il va falloir aussi absolument que, effectivement, là, le temps joue en sa défaveur. Hein, et on a vu que l'objectif, c'est peut-être de mettre de la vitesse, de revenir très très vite au score pour qu'il puisse y avoir deux minutes sur lesquelles il se retrouve à moins 6 et moins 4 à deux possessions, comme on dit, et là peut-être de faire un coup. Mais pour l'instant, en tout cas, le match est bien engagé pour l'équipe de Lyon.
Kinga, la mascotte bien sûr d'LDLC Asvel féminin, qui attend votre retour ici du côté de Mado Bonnet. Kinga, elle s'entraîne hein, comme une athlète de haut niveau. Elle est prête pour le retour. Ouais. Kinga, elle ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, mais je peux vous dire que Kinga, tous les jours, elle s'entraîne. Côté LDLC Asvel féminin, on voit Yusté Yossité Dedo qui n'aura peut-être pas l'occasion de rentrer dans ce match. Je pense que du côté des jeunes, eh bien, à mon avis, on va rester sur le banc parce que cette rencontre, jusqu'au bout, elle va être indécise. Et Valérie Demoruy, c'est l'importance de ce match et d'un succès ce soir. Julie Allemand, peut-être le facteur X de ces 4 dernières minutes. Oui, voilà, Julie Allemand, si elle est capable d'emballer la rencontre, comme on l'a vu, hein. C'est bizarre parce que Julie Allemand, elle avait déjà fait 8 passes décisives sur la première mi-temps. Et sur cette deuxième mi-temps, pour l'instant, elle n'en est qu'à une seule passe. Alors vous allez me dire, c'est énorme sur le match. Et la voilà, malheureusement, pour Julie Allemand, du côté d'Ainz, on a été maladroite sur ce shoot. On prend des risques côté BLMA. On a envie de revenir, bien sûr, 4-28. Il faut en prendre, mais il va falloir être un peu plus précis que ça. Et côté LDLC Asvel féminin, on va faire tourner la balle, faire tourner le chrono. Un maximum. On va donner la balle à Marine Johannes qui va créer le jeu, qui va trouver une solution individuelle. Ou qui va trouver une passe décisive. Trouver la faute peut-être sur Nayor Hancock. Bien tenu, ouais, bien tenu. Ouais. Là, c'était juste devant nous. Bien tenu. Et, alors, elle est juste devant nous, donc je vais vous dire ce qu'elle dit à l'arbitre. Elle lui dit « Je ne peux rien faire ». Oui, non. Effectivement, il y a un beau duel. Les fautes, elles peuvent être sifflées d'un côté comme de l'autre. Hein, ah oui, non, mais c'est sûr. Mais là, de toute façon, elle ne pouvait rien faire parce qu'elle s'était complètement ouvert l'accès au cercle, Nayor Hancock, sur la situation de jeu à deux avec... avec Marine Johannes. Et le chrono qui tourne à l'avantage des Lyon avec Marine Johannes qui a deux doigts de se faire déposséder la balle. Alexandra Krenakic est obligée de prendre un shoot casse-croûte. Ouais. Il est manqué, on ne touchera même pas le bord du cercle. Ça ne va pas relancer le chrono, tout ça. Avec 4 minutes à faire, 68-56 plus 12. Côté BLM, on l'a vu, Julie Allemand qui va essayer de distribuer des ballons décisifs. Ouais, et essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc là, c'est vrai qu'on va voir ce qui va se passer. On va chercher sans doute à amener le ballon auprès de Julie Allemand. Et Julie Allemand tout de suite prise à deux. Hein. Bien fermé de la part de Lyon qui laisse que des tirs à 3 points compliqués à l'équipe de Montpellier. Et ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Julie Allemand tout de suite la prise à deux. On sait que c'est un élément important. Et côté LDLC Asvel féminin, ce chrono qui tourne toujours à leur avantage, plus 12 toujours. La balle dessous pour Elena Siak. Elle cherche du soutien, Elena Siak. Elle va peut-être le faire, Elena Siak, en un contre un face à Philippe. Oui. La faute de Philippe, mais elle peut en rendre encore. Philippe, des fautes. Ouais, tout à fait. Elle peut en rendre, c'est sa première. C'est sa première, mais par contre, ça doit être la 5e faute d'équipe de Montpellier. Et du coup, ça met Elena sur la ligne des lancers. Toutes les fautes vont être sanctionnées par deux lancers francs. Alors bien sûr, ça arrête le chrono. C'est la seule bonne nouvelle pour le BLMA sur cette action, parce qu'Elena Siak, elle en rate pas beaucoup. Alors on va bien sûr pas lui porter malheur sur ces deux lancers. Elena Siak, mais elle en rate pas beaucoup. Elena Siak, 68-56 plus 12, 3-30 à faire. La situation qui a peu évolué depuis une ou deux minutes. Malheureusement, si côté BLMA, il n'y a pas une révolte, ça va être très très compliqué. Ouais, pour l'instant, c'est sûr que l'équipe de Montpellier n'a pas trouvé la solution pour emballer cette deuxième mi-temps, et c'est Lyon au contraire qui fait la différence. Julie Allemand le fait avec Heinz Allen, voilà c'est ça, c'est peut-être ça la clé, le lien Julie Allemand à Heinz sur des jeux rapides. C'est sûr que c'est certainement une des consignes prioritaires de Petit sur la relance rapide, et là, une interception, attention, il va peut-être falloir réagir. C'est Julie Allemand qui est bien défendu. Bien défendu de la part d'Ingrid. C'était propre de la part d'Ingrid Tancré au moment où la balle a commencé à monter, la main d'Ingrid Tancré sur le ballon, et tout de suite Valérie Demoruy, il a senti le danger. Coach Vallée, il rappelle tout le monde pour un temps mort. 3 minutes à faire, plus 12. Je pense que quand on est coach dans ces cas-là, on dit ne pas paniquer, les contrôler bien sûr et garder la balle. Ouais, et puis garder l'intensité surtout, parce que sur les deux dernières situations, les balles elles sont perdues parce que l'équipe de Montpellier a mis plus d'intensité en défense que nous en attaque. Donc du coup, on se retrouve avec effectivement le rythme qui est en train de changer. Ça leur donne deux possibilités d'aller marquer des paniers faciles. Heureusement, Ingrid Tancré a fait un très joli repli défensif, mais attention parce que ça donne quand même la balle à Montpellier, qui va pouvoir marquer sur cette action. Donc rester dans le rythme de la rencontre, c'est hyper important. Et puis côté LDLC Asvel féminin, on le rappelle, seulement une faute dans ce quatrième quart-temps. Ça veut dire qu'on peut rendre des fautes, on peut monter en intensité. Oui, voilà, c'est ça. C'est que là, après, derrière, il ne faut pas hésiter à couper les actions de jeu de Montpellier avant qu'elles puissent enchaîner des tirs pour ne pas leur donner des lancers francs. Et du coup, les obliger à remettre en place des systèmes. L'objectif, là, ça va être de grappiller des secondes
d'user l'équipe adverse et de les mettre le moins souvent possible sur la ligne des lancers. Retour sur le parquet de Sarah Chevaujon, Michel Plouf, Ingrid Tancré, Elena Siak, que vous découvrez à l'image avec Alexandra Krevendakic. C'est le 5 choisi par Valérie Demoré pour terminer cette rencontre. Dynamiter le jeu, c'est la mission du BLMA si elles veulent exister pendant ces 3 dernières minutes. On va voir un petit peu dans les attentions parce qu'après, derrière, elles ont passé tellement d'énergie. Alors là, voilà, un système d'école, une fin d'écran, une ouverture très près du cercle. Julie, qui la connaît par cœur, lui donne une balle facile et c'est donc Montpellier qui marque 2 points. Avec une grosse intensité, un côté ouais. Montpellier défensivement, Alexandra Krevendakic. Ouais, oulala, Ingrid Tancré à 3 points. Oui. Ah, voilà, et ça, eh oui, c'est sur bien. La tête. Au meilleur moment, bien sûr, pour les Lyonnes, Ingrid Tancré qui remet plus 13. Tout est à refaire pour BLMA. Julie Allemand, balle en main. Ouais, mais je peux vous dire qu'Ingrid, elle a mis de l'énergie hein, dans ce. Ça retombe, marché, bien sûr, marché. Technique. Technique à Valérie Demoré. Alors que là, l'action, je peux vous le dire, on l'a lu. Julie Allemand reçoit la balle en l'air. Elle retombe au sol avec la balle. Ouais. Valérie Demoré s'est emportée. C'est une technique contre le coach d'LDLC Asvel féminin. Bon, c'est compliqué de toute façon à lire. Lui, il l'a vu, bien sûr. Nous, on l'a vu. Vous, à l'image, vous l'avez vu. Mais pour les arbitres, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de vitesse dans tout ça. Donc, Julie Allemand qui règle les choses. La balle récupérée par le BLMA. Il va falloir rester bien concentré hein, pour les filles. Vous les avez vues, les Lyonnes à l'écran, elles sont restées soudées. Plus 12 toujours au compteur, c'est juste un fait de jeu, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais, et puis je peux vous dire que Thibaut Petit aussi, il avait vu le marché. Il s'est pris la tête entre les mains. On l'a regardé, Thibaut Petit, il a dit là. Même si c'était la technique, elle est complètement méritée, mais il était un peu surpris par le coup de sifflet, on peut le dire. Bon, il en a pris une aussi à l'heure, donc il a dit écoute, celle-là, elle est pour toi, Valérie. Entre coach, il y a du respect. Heinz, le démarrage sur Chevaujon. C'est très bien ouvert là-bas. Collier, elle ne devrait pas le manquer. Oh là là, la gamelle à l'avantage. Michel Plouf qui récupère le ballon, qui le donne à Ingrid. Ah, il fait mal celui-là. À 2 minutes de la fin. À 2 minutes de la fin, Sylvain, c'était peut-être une balle de match pour le BLMA. Et le chrono qui continue à tourner. Il n'y a pas de faute des gazelles. C'est bien. On va essayer d'amener le ballon. Voilà, à l'intérieur. Elena qui finit le travail, c'est bien joué ça de la part de Lyon hein, qui vraiment sur chaque action grappille 20-22 secondes systématiquement et qui arrive à, en plus de ça à marquer. C'est dur pour Montpellier parce que Montpellier elles ont fait une première mi-temps quand même en mettant une énergie folle sur le match, en emballant la rencontre dès le début. Et puis, Grosse ressource mentale pour les Lyonnes. Elles ont été vraiment chercher un mental de fou. Un petit peu le même mental qui leur avait fait faire un très beau deuxième match face à Sopron. Cette équipe des Lyonnes qui va très certainement dans quelques minutes venir chercher là un succès très très important, même si on est loin d'en avoir terminé. Il reste une 30 Heinz là-bas, c'est une machine de guerre. Heinz, c'est une machine hyper impressionnante, comme tu le dis, Sylvain, en termes de puissance. Là, on a vu, hein, le sol a tremblé quand elle a posé son appui pour monter au panier, malgré tout le temps qu'elle a passé sur le terrain, parce qu'elle n'est pas beaucoup sortie. Elle a encore l'énergie pour mettre une puissance dans les jambes monstrueuse. C'est dommage sur la finition. Énormément de jus. Faute, forcément, bien sûr, il faut arrêter le chrono côté BLMA. La sortie d'Alexandra Krevendakic, applaudie par son banc là-bas. Toutes les filles se sont levées. Alexandra Krevendakic qui va sortir une très belle feuille. On va retrouver Sarah Chevaujon sur la ligne des lancers. Le chrono est arrêté à 1:10 de la fin de cette rencontre avec sur le terrain Ingrid Tancré avec Marine Johannes, Elena Siak, Michel Plouf. Marine Johannes qui devrait peut-être pas être loin de nous retrouver à la fin du match hein, parce que Marine Johannes elle a fait une fin de match absolument fabuleuse, pas très loin de passer la barre des 10 points. Sarah Chevaujon elle fait le job, c'est super. Voilà. Elle met LDLC Asvel féminin à l'abri d'un retour. La sortie d'Elena Siak qui elle aussi a fait un gros chantier hein. Elle a entamé un gros chantier et je pense que du côté du BLMA on va tout simplement travailler cette fin de match parce qu'on sait il y aura encore des rencontres importantes entre LDLC Asvel féminin et le BLMA. Oui, c'est deux équipes qui se rencontrent systématiquement 2 fois, 3 fois, 4 fois par saison. Alors cette année, on n'a pas eu l'occasion de les croiser en coupe, puisqu'elles ont joué contre Bourges la semaine dernière et qu'elles ont gagné. En championnat, oui, mais en play-off certainement, et pourquoi pas sur des finales. C'est toujours des rencontres exceptionnelles entre Montpellier et Lyon. Les Lyonnes contre les Gazelles. Ce soir, j'ai l'impression que c'est les Lyonnes qui ont pris le dessus. Mais on se rappelle du match aller, c'était les Gazelles qui avaient pris la victoire.
chez elles. Voilà, un partout, balle au centre sur ces rencontres pour cette saison. Si on a l'occasion d'avoir des playoffs, ça fera sûrement de belles rencontres. Effectivement, en tout cas, un match, comme on vous le disait, avec de l'intensité dès les premières minutes de jeu et une formation lyonnaise qui a su trouver des ressources pour revenir dans le match. Alors que le BLM avait mis la main sur cette rencontre, malheureusement pour elles, elles n'ont pas pu la tuer, cette rencontre. Et elles se sont exposées au retour des Lyon. Il y avait deux scénarios possibles, hein, côté LDLC féminin, soit ça explosait, soit ça revenait. Et bien, c'est le deuxième scénario auquel on a assisté cet après-midi avec de grosses ressources mentales pour le groupe de Valérie Demory. On va jouer jusqu'au bout, bien sûr, ouais, 1 minute 10 à faire. Attention. Plus 16 en faveur d'LDLC Asvel féminin. Julie Allemand, balle en main maintenant avec Berniès. Julie Allemand qui a échappé à tout le monde. La belle passe là-bas. Normalement, elle rate rien dans le corner. Collier maladroite sur ce shoot. Il y aura encore au moins deux possessions avec un chrono qui va continuer à tourner. Ouais, deux possessions et puis là Ingrid qui met un système, encore un système long avec Marine Johannes qu'on a retrouvé sur l'aile, un pick and roll avec Nayo qui toute seule. Nayo, ouais, super, faute provoquée, de toute façon c'était ouf au tout panier. Et c'est la cinquième pour Collier, je pense. Si elle était dans le coup, Collier, ouais, je sais pas si elle était dans le coup, mais à mon avis c'est pour elle, elle attend Collier, mais... Collier, elle s'est retournée, elle s'est dit peut-être qu'on m'a oublié. Et malheureusement, c'est moi qui ne l'ai pas oublié. Collier, voilà, elle va quitter le jeu à 43 secondes de la fin de ce match. Et beaucoup d'engagement avec Dabovic à 5 fautes, Collier à 5 fautes, Touré à 5 fautes. Beaucoup d'engagement physique. Ouais, beaucoup, beaucoup d'engagement. Elles ont voulu mettre de l'engagement tout de suite. Dès le début de la rencontre, elles étaient très, très présentes. Après, c'est vrai qu'il y a eu un passage là sur lequel les arbitres ont rien laissé passer à l'équipe de Montpellier sur les prises de position. Ça fait partie du jeu, hein. Il faut des arbitres sur un terrain pour que les rencontres se déroulent normalement. Et du coup, je pense qu'elles ont perdu un petit peu le fil à ce moment-là du match et n'ont pas réussi à se remettre dans leur qualité première. Et bien, côté BLMA, Milabi qui fait le job, hein, et qui permet au BLMA de revenir à 15 longueurs, deux possessions encore à jouer avec, je vous le disais, encore une nouvelle fois côté LDLC Asvel féminin, Marine Johannes qui pourrait aller monter son score de points à 10, un rebond en faveur du BLMA, une nouvelle fois à Insalen, faute de Sarah Chevaujon. Oui. C'est seulement la deuxième d'LDLC Asvel féminin dans ce dernier carton. Et oui, du coup, c'est ce qu'on disait, elles font pas de faute sur les joueuses, sur les situations défensives, donc maintenant il faut typiquement couper ce genre d'action. Ça va obliger l'équipe de Montpellier à mettre un système en place avec 11 secondes de temps, même si le temps mort de Lyon, on peut le dire, la messe est dite. Oui, travail aussi hein, côté Valérie Demory. On va proposer un système défensif derrière sur cette action. Il restera 11 secondes au BLMA pour développer son action. C'est du travail parce qu'on a aussi en tête les prochaines rencontres, bien sûr, les prochaines confrontations, Sylvain. Oui, parce qu'il y a de nouveau un match dimanche, donc ça laisse très peu de temps pour récupérer. Peut-être que là, du coup, on va se retrouver avec 5 joueuses. On va peut-être protéger un petit peu les organismes des joueuses comme Elena qui revient malgré toute blessure, comme Marine Johannes, comme Alexandra Krivanakic, qu'on peut laisser sur le banc pour éviter la blessure, puis tout simplement ne pas jouer 11 secondes supplémentaires. Et puis après, derrière, on sait que dimanche, il y a un autre match contre Tarbes et il va falloir répondre tout de suite présent aussi. Effectivement, en tout cas, des matchs comme ça, c'est quand vous voulez que vous nous en offrez du côté... des filles du BLMA et du côté d'LDLC Asvel féminin parce qu'il y avait effectivement un gros niveau de basket digne des playoffs. Moi, j'avais l'impression que les playoffs avaient d'ores et déjà commencé cet après-midi avec Berniès à la remise face à Marine Johannes. 11 secondes à faire. À mon avis, on va jouer Julie Allemand. Voilà, Julie Allemand en solo peut-être pour Julie et la faute qui va arrêter tout ça et envoyer Julie. Non, pas sur la ligne des lancers, je m'emballais un peu. Parce qu'on est seulement à 3 fautes. Bien sûr, côté LDLC Asvel féminin, on a intérêt à faire des fautes. Mais c'est la 5e pour Michel Pouf qui quitte le parquet. Voilà, et qui est remplacé par Monique Macani qui va terminer cette rencontre. 8 secondes, est-ce qu'on va les laisser défiler ou est-ce qu'au contraire, on va encore faire une faute puisqu'on a une faute à donner? On a une faute à donner, on devrait la faire très certainement. Voilà, sur cette possession, Sarah Chevaujon intelligemment va la faire. Voilà. Plus que 6 secondes et 5 dixièmes. Là, bien sûr, on ne commettra plus de fautes parce qu'on sera dans la pénalité. On est
possiblement sanctionnable côté Lyon de lancer. On va donc laisser s'exprimer ces 6 dernières secondes. Pourquoi pas aller jouer la carte Heinz. En tout cas, Heinz est peut-être venu le dire à Bernièce. Si tu peux me la donner, celle-là, je la prends. Ouais, alors que bon, alors finalement, on cherche Julie Allemand. Et la faute d'Ingrid Tancret sur le démarrage de Julie Allemand. On aura encore une possession lyonnaise à l'issue de ces deux lancers de Julie Allemand. Ouais, 15 points d'écart, elles sont longues ces 10 dernières secondes, alors que le jeu est dit. Alors bon, c'est sûr que si on se retrouvait sur la confrontation avec Sopron, ça avait son importance, puisque du coup, tous les points comptaient. C'est là, vrai qu'on était, on le rappelle, hein, DLC Azal féminin qui avait été défait de 28 points à l'occasion du match aller. On rappelle que les Lyonnaises ont mené de plus de 21 points, 23 peut-être même de mémoire dans cette rencontre face à Sopron. Tous les fans de basket français, bien sûr, qui suivaient ce match y ont cru. 5 secondes, 1 dixième, 78-65, la balle aux Lyonnaises. Là, typiquement, on travaille un système offensif. Voilà, bon, 5 secondes de jeu. Je pense que Valérie Demory a envie de mettre quelque chose en place. Est-ce qu'il a peut-être travaillé à l'entraînement? En tout cas, l'objectif, c'est ça. On va voir si dans la réalisation, l'équipe lyonnaise sera suffisamment concentrée en fin de match pour pouvoir le réaliser correctement. D'un autre côté, Montpellier qui lui va essayer tout l'inverse, c'est-à-dire de déjouer cette situation peut-être en proposant une défense complètement atypique et du coup perturber les 5 joueuses qui seront sur le terrain. On va voir ce que les coachs vont nous proposer. Avec le retour sur le parquet du BLMA côté LDLC Asvel Féminin, on prend quelques secondes supplémentaires avant de revenir sur le parquet. Restez bien avec nous hein, parce qu'à l'issue du coup de sifflet final, Sylvain, on retrouvera la MVP de cette rencontre. Sylvain, moi j'ai pas beaucoup de doutes sur le nom de cette MVP, je pense qu'il est très clairement déjà écrit sur ta feuille de match là-bas, Sylvain. Oui, là c'est sûr que sur l'ensemble de la rencontre, il me semble que Marine Johannes mérite d'être MVP. Hein. Alors on a noté Alexandra Krevendakic qui avait fait une super première mi-temps, qui avait à 18 points et qui avait tenu Lyon, surtout dans les moments compliqués, qui avait tenu Lyon à bout de bras, notamment d'un point de vue offensif. Mais une fois que Marine s'est mise à jouer, elle a été capable d'être vraiment sur tous les registres, elle a marqué 14 points. Elle a fait performance au rebond. Elle a fait 6 passes décisives, elle a pris 9 rebonds en tout. C'est pas l'habitude de Marine, les rebonds, c'est pas le secteur dans lequel on l'attend, les passes et les points évidemment. Et du coup, c'est bien de l'avoir comme ça et surtout c'est bien qu'elle a pu varier le jeu et elle a empêché finalement Montpellier de reprendre confiance parce qu'elle a toujours, lorsqu'elle a été sur le terrain, toujours été présente pour pouvoir proposer des solutions au scoring. Il y a des sourires, hein, vous l'avez vu, entre Sarah Chevaujon, Marine Johannes là-bas. Les Lyonnes ont le sourire, bien sûr, à l'issue de cette rencontre qu'elles vont remporter dans 4 secondes de temps de jeu, 3-7 exactement, 79-65 au compteur. Marine qui sourit à Nayo, vont tenter quelque chose peut-être. Il y a eu un petit coup d'œil entre les deux coéquipières. Oui, voilà. Oh là là, elle l'a mis. Je crois que c'était pas prévu, Nayo Hancock. Je crois que c'était pas prévu celui-là. Il est rentré, mais c'était pas prévu parce que moi j'ai vu le clin d'œil de voilà, elles sont en train de sourire. J'ai vu le clin d'œil de Marine Johannes. Elle a tenté de jouer planche cercle et malheureusement Nayo elle a réussi à le mettre. C'était pas facile à faire, c'est pas facile de rater parfois à ce niveau là. Disons que c'est vrai que Nayo c'est pas quand même quelqu'un qui est habitué à marquer tous ses lancers francs avec beaucoup de facilité, mais quand elle veut les rater elle les marque. Celui-là elle l'a mis en tout cas. Donc du coup on bascule tout de suite de l'autre côté avec Julie Allemand au lancer, 80-66 au compteur. C'est un des plus gros écarts de la partie en faveur de Lyon. Et je sais pas si Lyon cherche pas à récupérer un goal average, d'un match aller au cas où il y a un ranking équivalent. Avec un dernier ballon qui va sortir des limites du terrain. Une victoire des Lyonnes face au BLMA. Mais les Gazelles se sont bien défendues cet après-midi, notamment avec un premier carton qui était largement à leur avantage derrière. LDLC Asvel féminin a su trouver des ressources. D'abord mental et ensuite dans le jeu, il fallait être costaud du côté des Lyonnes pour résister aujourd'hui. Ouais, bravo aux deux équipes parce que effectivement Montpellier a montré qu'elle avait tout à faire. Après derrière, on se retrouve avec Lyon qui a été capable comme un rouleau compresseur et ça faisait longtemps qu'on les avait pas vu jouer comme ça, capable de revenir au score. Et puis progressivement, elles ont su faire la différence, prendre l'avantage. Et ne jamais laisser Montpellier revenir dans la rencontre parce qu'elles ont bien défendu.
et aussi parce qu'en attaque, elles ont été capables de trouver les solutions. Et il y a quelque chose que vous avez vu à l'image, c'est le respect entre les deux équipes. Il y avait des sourires qui ne trompaient pas, qui avaient tendance à dire on va se retrouver de toute façon. Donc il y avait une forme de respect et de sourire entre les deux formations. Ouais, elles se connaissent par cœur, elles se rencontrent très très souvent. Nous, ce qu'on peut noter, c'est aussi la belle performance de Marine Fautou, hein, qui, je trouve, montre des progrès constants sur l'ensemble des rencontres. On la voit là, elle est à 12 points, elle a bien fait jouer son équipe, elle était très intéressante sur le terrain, elle a déjà fait une belle campagne à Sopron. C'est intéressant de voir cette jeune joueuse prendre ses marques et de répondre présent en cette fin de championnat. Allez, puis on va retrouver dans quelques secondes notre MVP. Elle est, je crois, de mémoire à 14 points, 9 rebonds, 6 passes décisives. C'est ça, 14 points, 9 rebonds, 6 passes décisives. Elle a passé le premier quart temps et la plupart de la première mi-temps en étant beaucoup au service des autres. Et puis au final, elle se retrouve maintenant. Mais Eric, je te laisse tout de suite avec Marine Johannes. Un petit souci de son là pour l'instant avec Eric, point, malheureusement on n'entend pas l'interview de Marine. Revenir sur cette réaction, il fallait de grosses ressources mentales pour revenir à ce moment du match autant que des ressources physiques. Mmh. Oui, bah on sait que tous les matchs sont importants pour nous, pour la fin du classement. Donc voilà, maintenant il faut tout gagner et c'est l'objectif. On a l'impression que vous avez rapidement basculé en format commando après l'élimination en quart de finale d'Euroleague. On a l'impression que le groupe s'est mis en format commando championnat de France. C'est vrai qu'on a été déçus de ce qui s'est passé à Sopron, même si on a très bien réagi au deuxième match. Maintenant, comme je disais, l'objectif c'est de finir deux ou troisième, voilà. Faut qu'on enchaîne, faut pas trop qu'on réfléchisse, faut qu'on gagne tous les matchs. Merci à toi pour ces quelques minutes, Marine Johannes, MVP de cette rencontre. Merci à vous qui étiez présents avec nous cet après-midi pour suivre cette rencontre entre le BLMA et le LDLC Asvel Féminin. On vous le rappelle, la victoire bien sûr d'LDLC Asvel Féminin. Merci à Sylvain qui m'a accompagné, Sylvain Lepied. Et puis on se donnera rendez-vous ce dimanche. Ce sera face à Tarbes, ce sera à partir de 15h30 et ce sera en compagnie cette fois-ci toujours de Sylvain Lepied, mais accompagné de Gaël Berger. Excellente soirée à vous toutes et à vous tous. Salut. We'll be right back.